qu'il n'y a pas que la section A qui est présente aujourd'hui. Malish. Qui te confie le khair, malish. Parfait. Donc, voilà comment on va essayer d'organiser cette séance. En fait, cette séance, pourquoi j'ai voulu l'organiser? Parce que simplement, je reçois beaucoup, beaucoup de questions. Et parfois, les questions se répètent. Et souvent, un étudiant ne pose pas une question. Il pose 3 à 4 questions. Donc, c'est impossible pour moi pour gérer toutes ces questions et répondre à tout le monde et parfois répéter les réponses. D'où donc, j'ai préféré cette séance de révision. Comme ça, si quelqu'un pose une question, eh bien, les autres en profitent. Et donc, on essaiera d'être tous gagnants dans l'affaire. Je ne sais pas si je vais continuer à accepter les gens parce que je ne peux pas basculer entre une chose et une autre. Al-Muhim, voilà comment on va essayer de procéder. Au départ, je vais vous laisser poser vos questions si vous avez des questions. Je répondrai aux questions. Marie-Claude a des questions, donc on a un certain nombre d'applications, on va les faire, on va les expliquer, et j'espère que tout le monde va être intéressé par cela, Inch'Allah, Inch'Allah. Une autre information, si vous voulez me poser des questions sur le sujet, Allah, je ne l'ai pas encore préparé. Je vais essayer de le préparer après la séance de révision et avant le match de ce soir. Donc, je vais essayer de le préparer, la chien, Inch'Allah. Bien, voilà, donc je vous écoute. Si vous avez des questions, allez-y. Toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Hajjawahda, ne me dites pas, monsieur, on dit un exercice, est-ce que vous pouvez le traiter? Parce que là, maintenant, donc le cadre de la révision. Donc, je préfère, s'il y a des notions qui ne sont pas claires, que vous voulez que je répète. Ok, je vais continuer à accepter encore un moment. Allez-y, je vous écoute, s'il vous plaît. Parce que sur Internet, par email, je reçois beaucoup de questions. Parfait, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Donc, on va directement passer à quelques applications que j'ai sélectionnées pour vous, qu'on va essayer de traiter ensemble. Et Inch'Allah, ça va être bénéfique pour tout le monde. Voilà. Je vais d'abord commencer par une application. Oh, attendez, je vais la partager d'abord. Je vais partager donc l'application. Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît, est-ce que c'est partagé maintenant? Oui, c'est un peu. Très bien. Donc, on va commencer par l'exercice qui a été fait l'objet d'une interrogation. Nos semaines, les interrogations ont été quand même assez costauds. Ça date de 2010-2011, donc en date de mais ça reste d'actualité. Donc voilà le premier exercice. C'est là où vous l'avez dans le chapitre 4. Alors, que dit cette application? Elle est très intéressante. Elle est directement liée au chapitre 4 qui va être le chapitre le plus présent dans le sujet d'examen. Donc, l'exercice dit tout simplement, soit un système à 3 pics. Donc, j'ai un système à 3 pics, tous en mode emboîtable complet. Si j'ai 3 pics, 3 pics, ça veut dire 600 en cascade. Il va y avoir le picmètre et 2 pics esclaves. OK? Le picmètre et 2 pics esclaves. Tout ce monde dans emboîtable, ça veut dire que c'est le mode emboîtable complet. Que veut dire le mode emboîtable complet? Chacun des pics esclaves a le droit d'envoyer une requête ou cette requête censée
gérer l'imbrication des requêtes des pics esclaves. Okay? Parce que si on fait le mode en boîte à bulles partielle, à ce moment-là, le pic, mettre comme s'il dit aux pics esclaves qu'il te bat une requête, me dit je te bat les, ou de donc, le pic maître sera un peu plus allégé. Ici, le mode en boîte à bulles complet, ça veut dire que le pic maître doit gérer l'imbrication des requêtes d'envoyer une requête, ou bien mettre là cette requête. Si une autre requête, il veut l'envoyer à condition qu'elle est plus prioritaire que la précédente, le pic maître a OK? Donc, le pic maître aura à gérer l'imbrication des requêtes et pics esclaves. Et ayant l'ordre global descendant des priorités suivantes. Donc, quand je prends le système de trois pics, si je veux voir son ordre de priorité global, moi j'ai un pic particulier, mais global, le voilà, j'ai le devant vous. Descendant, ça veut dire tenezzuli, de la plus haute priorité à la plus faible. Donc, vous voyez que la plus haute priorité de ce système, c'est IRQ2 0. La notation, vous l'avez ici, la notation, c'est IRQIJ, où I va dire de quel pic on parle. Si I égale à 0, ça veut dire que je suis sur le pic maître. Si I égale à 1, ça veut dire le premier pic esclave. Si I égale 2, c'est le deuxième pic esclave. Et J, c'est le numéro d'entrée IRQI sur ce pic-là. Donc, J va changer de 0 à 7. Donc, quand on dit IRQ2 0, ça veut dire c'est la requête du pic esclave 2 et c'est l'entrée IRQ 0 de ce pic esclave 2. Okay? C'est l'entrée IRQ 0 de ce pic esclave 2. Donc, c'est la plus prioritaire. Ensuite, IRQ2 1, et on descend comme ça jusqu'à la plus faible qui est IRQ 0 6. Donc, si tous les pics envoient tous en même temps des requêtes, eh bien, celle qui va être retenue, c'est IRQ2 0 parce que c'est la plus prioritaire. C'est celle qui va être envoyée au microprocesseur. Et vous voyez que IRQ06 ne peut être accepté et envoyé au processeur que si toutes les autres requêtes des différents pics sont absentes. C'est la plus faible. Est-ce que ça c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. OK, très bien. OK. Donc ici, on va supposer dans cet exercice, il est excellent l'exercice en tout cas, il permet de faire une très bonne révision. En supposant les adresses impaires, suivant pour les trois pics, pour le pic maître, l'adresse impaire terre, c'est 67H. Le pic esclave 1, son adresse impaire, c'est 0135H. Et le pic esclave 2, son adresse, c'est ABCDH. Hein, vous constatez que toutes les adresses sont impaires. Alors, question, que va être l'adresse paire du pic maître à ce moment-là? 66. Très bien, le pic esclave 1, ça va être 0134H. Le pic esclave 2, ça va être quoi? Hayato Ali, le pic esclave 0134. 2. Aoud? Non, tu as le pic esclave 2. ABCC. ABCC. Ah, BCC, excellent, excellent. Donc, vous répondez très bien. Donc, vous voyez bien que c'est une interro. Ah, pardon. Mais quand même, il y a la question A, la question B, la question C et la question D. OK? Je crois que la durée de l'interro a dû être 45 minutes. Je me rappelle plus. Alors, la question A, elle dit tout simplement. C'est une très bonne question. Donner le schéma d'interconnexion entre les trois pics. Donc, comment les trois pics sont reliés? On représente seulement les requêtes. Ça veut dire qu'on peut aller brancher beaucoup de signaux, mais ici, on nous dit occupez-vous seulement des requêtes. Hein, donc, les différentes requêtes. En utilisant le symbole X pour dire qu'une requête est masquée. Donc, sur un pic donné, il y a une requête qui est masquée. Donc, on mettra un X au demain. Si maintenant je mets plus devant une requête,
devant une entrée IRQE d'un pic donné, ça veut dire que c'est la requête la plus prioritaire pour ce pic-là. Ça, c'est la première question. Donc, on veut un schéma d'interconnexion où on ne représente que les trois pics, comment ils sont reliés, et on ne représente que les signaux de requête. Okay? On ne représente pas autre chose parce qu'il y a, nous avons vu le brochage, il y a beaucoup de broches, mais ici, on s'occupe seulement des requêtes. Est-ce que la question est claire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. OK, OK. Donc, finalement, je crois qu'il y avait un étudiant, Hamel, qui m'avait posé la question sur cela. Donc, Hamel, tout va se faire sur la base de cet ordre de priorité qui a été donné. Toute l'étude, c'est ça. OK? Nishaq Ghir Hari. Bien. Donc, il va y avoir plusieurs essais. Il va y avoir plusieurs essais. Parce que je ne sais pas, a priori, comment va être l'interconnexion. Donc, peut-être il va y avoir un essai, échec de cet essai, je fais un deuxième essai, échec, etc. Mais où est-ce qu'il y a un taille de cet ordre global, la descendant des priorités? Je constate que si tout le monde envoie des requêtes, eh bien, ça sera IRQ 2.0, ça veut dire qu'il va venir du pic esclave 2 qui va être retenu. Et la plus faible, c'est IRQ 0.6 du pic maître. Tiens, ici, on déduit quelque chose, qui est une malouma quand même assez importante. Ce n'est pas, donc, où j'ai une malouma, quand il est ici, ce n'est pas le fait qu'il y a le pic maître et deux pics esclaves que la plus prioritaire, l'azmjim, le pic maître. Vous avez un exemple ici. La plus haute, elle vient d'un pic esclave 2, et la plus faible, elle vient du pic maître. Donc, pas forcément, quand je suis dans un système en cascade, que la plus prioritaire, elle vient du pic maître. Allez, donc, si vous voulez, une déduction qu'on fait. OK, donc, je prends note que, ici, on me dit, c'est le pic esclave 2 le plus prioritaire. Et c'est le pic maître le moins prioritaire, hein, IRQ 02. Donc, je vais faire mes tentatives. Donc, je fais une première tentative, ben, je fais une contradiction, je dis, donc, ça, c'est pas bon. Je vais réessayer autrement. Alors, notamment, ce que j'ai, IRQ 20, c'est la plus prioritaire, et IRQ 06, c'est la moins prioritaire. Je vais voir est-ce que je vais arriver à ce schéma d'interconnexion. OK. Si IRQ 0, si c'est la moins prioritaire, à ce moment-là, qui est la plus prioritaire? C'est IRQ 07. Si IRQ 0, si c'est la moins prioritaire dans le pic maître, IRQ 07, automatiquement, c'est la plus prioritaire. Monsieur, dans ce cas, je ne peux pas dire parce que quelle possibilité de qu'on masque. Il y a un exercice qu'il y a la possibilité de qu'on masque. Samahni, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais faire des scénarios. Dans une contradiction, ben, je vais abandonner cette tentative-là. D'accord, monsieur. J'ai la solution immédiatement. Je dis, le qira'a, le mufida pour moi, la plus intéressante, c'est le pic esclave 2, ou le plus prioritaire, l'entrée 2-0, et le moins prioritaire, le système, c'est IRQ 06. Je crois que c'est l'intellect que je dois faire. Est-ce que je vais me retrouver? Je vais voir. Donc, je ne peux faire des contradictions. D'accord? Ou ijtihad. Mais moi, je suis muni d'assez d'informations. Donc, quand ça bloque, on fait qu'elle. Pourquoi? Parce que j'ai une base devant moi. Donc, le point de départ, je dirais, IRQ 06, c'est la moins prioritaire. OK? Là, c'est ce que je suis en train de voir. Donc, je vais faire une première tentative. IRQ 0, si elle est la moins prioritaire, ça veut dire IRQ 07, c'est la plus prioritaire.
OK? Alors, je vois que IRQ07, ما عنديش لهنا IRQ07. ما عنديش IRQ07. عندي هذه. IRQ20, IRQ23, etc. OK؟ Donc, je déduis quoi? Donc, si IRQ07 est la plus prioritaire, ma taqdir tkoun qu'elle est connectée au pic esclave 2. Pourquoi? Parce que IRQ06 c'est la moins prioritaire. En principe, c'est IRQ07 qui est la plus prioritaire. Mais là, je n'ai pas IRQ07. Je me trouve, je l'ai là, IRQ07. Mais je n'ai pas. Donc, je vais faire un autre ijtihad en disant, et donc, je déduis que IRQ07 elle est connectée au pic esclave 2. Et donc, si elle est connectée au pic esclave 2, ça veut dire que ce n'est pas Hadid qui trouve les fils d'ordre, il trouve les Hadam fils d'ordre. Et on me dit quoi ici? Que si c'est vrai, si c'est vrai, c'est IRQ20 qui est la plus prioritaire. Et donc, voilà, IRQ20 la plus prioritaire. Je vais voir est-ce que ça tient la route. Donc, si IRQ20 est la plus prioritaire, donc ça veut dire Hadam, Hadam vont remplacer IRQ07. S'il y a donc, si vous voulez, une connexion entre IRQ07 et le pic esclave, donc automatiquement, Hadi, elle sera remplacée par ça. Je vois est-ce que ça tient la route. Donc, IRQ20. Il me faudra appeler IRQ20 chez Géné. IRQ21, ça tient la route. IRQ22, ça tient la route. IRQ23, ça tient la route. IRQ24, ça tient la route. Ben, je constate, je passe directement à IRQ27. 2,4, je passe à 2,7. Je déduis quoi à ce moment-là? De Je déduis 5 et quoi? de 6 sont masqués. Ah, très bien. 2,5 et 2,6 sont masqués. 2, on est d'accord les carreaux. OK? Voilà, 2,7. Classe. Classe. Mon frère d'Ochi Géné. On est comme ça. J'ai IRQ0. Oui. Oui. Je m'excuse. Vous êtes sur quel slide? Ah, ok, c'est pas le cher. On Parce est sur que le ça, slide, on est slide sur le tout 37. premier, Ah, justement. On ok. est un peu confus. Oh là, oh là là là, il fallait me le dire. Il fallait me le dire. Ok, On n'a je pas connais le constaté, problème. pardon, monsieur. C'est bon, on va dire. Mais ça a khir parce que dans tous les cas, maintenant vous voyez le bon slide, n'est-ce pas? Oui. Et dites-le, quand vous avez un problème, vous me le dites tout de suite. Je corrige. D'accord, Vous voulez que monsieur. je voulais que je reprenne là, vous arrivez à me suivre. Naoud, vous voulez que je répète? Oui, de préférence, monsieur. Ok, parfait, Merci. parfait, parfait. Alors, how the pick matter. Voilà l'esclave 1, l'esclave 2. Pour l'instant, j'ignore Hada où est-ce qu'il est connecté ou Hada où est-ce qu'il est connecté. J'ignore ça. Naraf, il y a le pick matter, naraf, il y a le pick esclave. Hada, mais naraf, pour l'instant. Je reviens à ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. On m'a donné cet ordre-là. Et on m'a dit que IRQ06, c'est la moins prioritaire de tout le système. Okay? Je vais essayer d'investir sur cette information. Le fait que IRQ06, c'est la moins prioritaire de tout le système. Moi, je regarde le pic mater. Donc, je vais essayer d'investir sur cette information. Je dis, si IRQ06 est la moins prioritaire, à IRQ0. Qui est la plus prioritaire à ce moment-là? C'est IRQ07. Logique, là, non? Mantaq. Mantaq, ok. Mais IRQ07, mon frère, nous le là. Parce que IRQ06, c'est la moins prioritaire. IRQ07, nous le là. Il est même le cas là. Oui, allez-y. Allez Monsieur, le curseur t'a accusé, moi, je suis banni, là, que tu renabais. وش ندير له انا دوكا انا راه يبان عندي والله ما على بالي استنى او هكذا سامحني هكذا يبان وي مسيو دوكا خلاص دونك نخدمو بهذه فوزاري بيان فوار لو سلايد الي كلير ديفون فو وي وي اوكي تري بيان دوكا نريحو فيها دوك ما كاش مشاكل دونك سي اي ار كو 06 سي لا مو بريوريتير المنطقه لا لوجيك دي كوا اي ار كو 06 سي لا بري بريوريتير
دونك المفروض نلقاها لهنا هي الاولى هي 07. مي اذا ما لقيتهاش يا دي بوسيبيليتي سوا كان لي ماسكي سوا كان لي كونيكتي ان بيك اسكلاف. دونك خلينا نروح اسك تاع اسك لي كونيكتي ان بيك اسكلاف باسكو ما دي روح للبيك اسكلاف دو 0. دونك جو في دير دونك اي ار كي 07 كونيكتي ا سو بيك اسكلاف دو et donc ça sera plus IRQ 07 qui est connecté que je vais voir dans l'ordre, mais je vais voir Helm les requêtes. Alors, si c'est en cascade, ce n'est pas Helm que je vois Tawha Helm. C'est ça qui vont venir ici. OK? On me dit que ça doit être IRQ 2.0 la plus prioritaire. D'où j'ai mis en plus IRQ 2.0. C'est une tentative. Ben, si c'est Helm est vrai, donc la suivante, elle sera quoi? IRQ2-1, n'est-ce pas? Donc je vois que ça tient la route, c'est 2, IRQ2-1. Badge IRQ2-2, ça tient la route. Badge IRQ2-3, ça tient la route. Je ne sais pas est-ce que je vais aboutir avec cette solution ou pas. Donc c'est une tentative. Badge IRQ2-4, ça tient la route. Badge, vous voyez, je passe directement à 2-7. Je déduis donc que 2, 5 et 2, 6 sont masqués. On y a les X. Et voilà, IRQ 2, 7. Mon frère, la sonde est à le pic esclave 2, n'est-ce pas? La sonde. Quelle est la suivante en principe? Quelle est la suivante maintenant, au niveau du pic mètre? IRQ 0, 0. IRQ 0, 0. OK? Mais je ne trouve pas ici IRQ 0, 0. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Je ne trouve pas IRQ 0, 0. Après 2-7, mais rich IRQ 0-0. Où je l'ai dans l'ordre quoi? 1-3. Donc, je vais faire l'hypothèse que IRQ 0-0 est connecté peut-être à un pic esclave 1. Et je vais, si ma logique tient la route, c'est bon. Si je trouve une contradiction, parce que quelle possibilité que IRQ 0-0 est masqué? Mumkin. Mais moi, j'ai pris une hypothèse. Le fait d'avoir vu après IRQ 2-7, je vois 1-3, je dis, mumkin que IRQ 0-0 est connecté à un pic esclave 1. Donc, je vais voir est-ce que ça donne raison ou pas. Donc, je suppose que ici, je suis connecté au pic esclave 1. On me dit quoi ici? Si c'est vrai, donc la plus prioritaire, c'est IRQ 1-3. Il y a l'oula qui est cité, n'est-ce pas? Donc, j'ai l'IRQ 1-3, c'est un plus. Je vais voir est-ce que cette hypothèse tient la route. Si IRQ 1-3 est la plus prioritaire, quelle va être la suivante? IRQ 1-4, je viens, je vois que c'est correct. Badge 1-5, c'est correct. Badge 1-6, c'est correct. Badge 1-7, c'est correct. Pour l'instant, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Mon frère, badge 1-7 ou chichi? 1-0. Mais comme 1-0 n'est pas cité ici, je vais supposer qu'il est masqué. En principe, j'ai 1-1. Il n'est pas dans l'ordre ici, je vais supposer qu'il est masqué. Est-ce que ces hypothèses tiennent la route? Il n'y a que 1-2. On n'a pas 1-2. Donc, pour l'instant, donc mes hypothèses sont correctes. Parce qu'il y a 1-2. Il y a 1-3, comme il y a 1-2. Ça veut dire le pic esclave d'un classe. Si ma logique et mes hypothèses sont correctes, où est-ce que la suivante maintenant? Participez avec moi, s'il vous plaît. IRQ 01. IRQ 01. Je vais voir est-ce que cette logique tient la route. Et je trouve IRQ 01. Je me dis c'est le bonheur. C'est le bonheur. Et ça me résout un problème. Quel est le problème que ça me résout? Que Helly, j'ai supposé trouver le pic esclave 1, ne pouvait pas être masqué. Parce que là, j'ai dit IRQ 01. Donc, ça consolide mes hypothèses. OK? Donc, IRQ 01. Mon frère, j'ai dit un badha. J'ai IRQ 02. Ma cachale. Donc, je vais dire, mon elle est masquée. Donc, j'ai dit la X. En principe, 0-3. Elle n'est pas citée ici. Donc, je vais supposer qu'elle est masquée. OK?
Et je vais voir ces hypothèses sur la route. Et je trouve 0,4. Je dis, c'est le bonheur. Ça consolide ce que j'ai fait comme hypothèse. Au 0,4 qu'est-ce qui me reste? On va falloir d'appeler 0,4 ou Chigi. 0,5. Au 0,5. 0,6, qui est la plus faible? Et voilà 0,6. Et donc, mes hypothèses sont correctes. Et c'est ce schéma-là qui tient la route. Il n'y a pas un autre schéma. Il n'y a pas un autre schéma. Si lui qui dit, il y a une autre possibilité, qu'il me le dise. C'est la seule possibilité. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Monsieur, donc il faut Oui. procéder comme ça si on veut trouver la priorité entre les requêtes et aussi en même temps définir celles qui sont masquées. Exact, Il faut faire exact. des hypothèses et puis trouver le bon schéma. Exact, exact, D'accord. exact, exact. Si maintenant je suis dans une. Je tombe sur une contradiction, je me dis, tout simplement. Mais je défie n'importe qui de trouver une autre solution d'interconnexion autre que celle-ci. McEnch. D'accord. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur. Anna. Monsieur, pourquoi allez-je m'a connecté le pic esclave 2 à IRQ 02? Ah, le pic esclave 2. Oui. Sur IRQ02. Oui. OK. Votre collègue dit, on n'a pas connecté le pic esclave 2 sur IRQ02. C'est ça? Il y Oui, a la monsieur. question derrière. Très bien. Bah, ça va être faussé dès le départ. Wallach. Et dès 0,6, c'est la plus faible. 0,6 étant la plus faible. Mon frère de l'année, je suis IRQ 0,7. Mais qu'est-ce que IRQ 0,7? Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être IRQ 0,7 est masqué. Allez bien, Mahrech. C'est une possibilité, n'est-ce pas? À ce moment-là, soit qu'un IRQ07 que je ne vois pas ici, et donc ce n'est pas bon, soit que IRQ07 est masqué. À ce moment-là, on ne va pas voir IRQ07 ici, mais je vais passer directement à celui-là. Et donc ça veut dire les requêtes et le pic esclave 1, les émissions, les requêtes et le pic esclave 2. Parce que tant que vous dites le pic esclave 2, je suppose qu'il est connecté à IRQ 02. Donc, le pic esclave 1, le pic esclave 2. Et donc, ça ne tient pas la route également. Voilà deux raisons, si vous voulez, pour ça. Moi, je vous dis, c'est moi. Essayez, faites des tentatives et vous allez voir que vous ne trouverez pas un schéma d'interconnexion autre que celui-là. Mustahil. Monsieur, donc, Sache. IRQ 07, Oui. donc il est plus prioritaire que 02. Ah oui. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, parce que le fait qu'on a dit ici IRQ06 est la moins prioritaire, automatiquement la plus prioritaire du système, c'est IRQ07. Qodiyan Amr. OK. D'autres questions sur la question A, s'il vous plaît? Et ça nous donne, voyez-vous, en analysant ça, j'ai besoin de bagages. Hein, donc, de bien comprendre les pics Adam. Et donc, ça, toutes mes connaissances vont être utilisées pour sortir avec ce schéma d'interconnexion. Évidemment, si vous allez avoir un exercice pareil dans l'examen, je veillerai à ce qu'il n'y ait qu'une solution possible. Je veillerai à ce qu'il n'y ait qu'une solution possible. Et pour l'instant, je n'ai pas fait le sujet. Donc, il n'y aura pas deux solutions, deux possibilités. Si jamais je suis tenté par un tel exercice. Classe, la question 1, c'est bon? Participez avec moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui, monsieur, s'il vous plaît. OK, parfait.
Donc, alors la question 2. Donc, classe, tout le monde adopte ce schéma. Mais qu'est-ce une autre solution? Donc, on va aller à la question B. La question B, elle dit, donnée en assembleur, comment les ICW3, les trois pics ont été programmés. Bon, il est clair ici que je ne voulais pas demander aux étudiants d'écrire toute la phase d'initialisation. Mais, donc, attendez, comment dans la phase d'initialisation, les ICW3, les trois pics ont été programmés? Nous savons que les ICW3 ne se programment qu'une seule fois dans la phase d'initialisation qui précède la phase de fonctionnement. Et que le ICW3 vient après ICW1 et ICW2. Autre chose également, les ICW3 sont programmés avec des adresses impaires. OK? Ils sont programmés avec des adresses impaires. OK. Donc, la question est claire. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas la question, s'il vous plaît? Parfait. Alors, donc, vous devez donner en assembleur comment, dans la phase d'initialisation, ICW3 de chaque pic a été programmé. Classe. Si vous voulez, pour rappel, si vous voulez, pour aller vite, je fais ça. Je vais vous rappeler Barak, le ICW3. Ah, le ICW3, voyez-vous. On a dit qu'il y a deux structures, une pour le maître, une pour les esclaves. Mais on kiff-kiff, les structures de Ham. Deuxième chose, nous avons dit que ça se programme avec l'adresse impaire. Okay. Donc, Hadi, c'est la structure de ICW3 du maître. Ou Hadi, c'est la structure de ICW3 de l'esclave. Okay. Je vous rappelle, si vous avez besoin de cela, que le ICW3 du maître, le maître sur ICW3, sur quelle branche IRQI il a des esclaves et sur quelle branche il a des périphériques. Ou pour le pic esclave, chaque pic esclave, sur quelle branche du maître, sur quelle branche IRQI du maître il est connecté. Voilà les informations qu'on doit donner. OK? La question D. Donnez-nous en assembleur comment, donc, dans la phase d'initialisation, les ICW ont été programmés. Alors, je la solution. Donc, on va donner comment le ICW3 du maître a été programmé. Et on va donner comment le ICW3 de chaque esclave a été donné. Donc, on va donner trois écritures. Une pour le maître ou une pour chaque pic esclave. Je vais commencer par le maître. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je peux écrire? Attendez, est-ce que je peux écrire? Inch'Allah, je peux écrire. Oui, je peux écrire. Alors, on va essayer de l'écrire ici, ma barre. Ça va reprendre le ktiba. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire move L. Je suis en train de dire que tu as le pic mètre. Hein? Tu as le pic mètre. On va dire comme ça. Et c'est W3 mètre. Donc, move à L, virgule. Qu'est-ce que je dois mettre? Je 81. constate que pour, voilà, je constate que pour le pic mètre, je dois informer le pic mètre que sur l'entrée IRQ00, il a un pic esclave. Et sur l'entrée IRQ07, il a un pic esclave. Et sur les autres, il a des périphériques. Donc, si vous voulez l'écrire en binaire, ça va faire ça. Voilà, sur IRQ07, je l'informe qu'il a un pic esclave. Sur le Khrin, j'ai des pics esclaves. Et sur IRQ0, il a un pic esclave. Voilà l'information. Allez, en hexadécimal, ça va me faire 81H. Puis j'envoie où? À l'adresse impaire du pic.
Et pour ce pays, on nous a dit que l'adresse impériale, c'est 67H, Allahu alayhi. 67H. Donc, à partir de là, le pic maître sait que sur IRQ0 et sur IRQ7, il a des pics esclaves. Des questions sur ça? Et voilà la solution pour cela. Voilà la solution pour cela. Move AL 81H, AL 67H AL. On va refaire ça pour chaque pic esclave. Est-ce que je peux prendre un peu? Je vais faire une tentative. Très bien. On va le faire pour ce pic esclave. Donc, ça va être pour l'esclave 1. Alors, pour l'esclave 1, l'adresse TAO, voilà. L'adresse impaire, c'est 0135. On a supposé ça. L'adresse impaire TAO. Donc, je constate quoi? Que cette adresse n'est pas sur 8 bits. Elle est sur 16 bits. Donc, je ne peux pas utiliser la forme longue des instructions in et out. Je dois utiliser la forme courte parce que l'adresse d'entrée-sortie est sur 16 bits. Donc, je dois passer par des X. Donc, ici, je vais faire move dx. On a dit combien? 0,1? 0,135. Donc, 0. Je suis ici. 0,135H. Ensuite, là, on a tout bêtement, bien sûr. Parce que maintenant, c'est notre structure de ICW3 que je vais donner. Et là, هذا اللي بيك اسكلاف راح نخبره ونقول له انت tu es connecté sur IRQ0 du mètre. Ok? Sur IRQ0 du mètre. Donc ça va être 00H. J'envoie où? Ici. ADX. Donc, le pic esclave 1 comme ça, c'est qu'il est connecté sur IRQ0. 0, 0. Okay? Donc, voyez-vous, ce n'est pas la même information que je donne au pic maître. Le pic maître, sur quelle branche il a des pics esclaves. Et le pic esclave, sur quelle branche du maître il est connecté. Des questions sur ça? Non, c'est clair. Ok. Donc, il est clair que vous allez faire la même chose ici, pour celui-là. Sauf qu'ici, l'adresse à le pic esclave, c'est ABCD. ABCD. Ben, entre nous, en choisissant ces adresses-là, parce que vous ne trouvez pas ces applications, il n'y a pas de livre qui est dans ces applications. Donc, c'est en faisant des adresses, parfois je cherche la petite bête pour savoir est-ce que l'étudiant écrit correctement ou pas. Donc, à 0135H, bien sûr, est-ce que l'étudiant va utiliser des X ou pas. Ici, si je donne HD, je cherche également la petite bête pour voir est-ce que l'étudiant va écrire correctement ou pas. Donc, c'est des choses dont je cherche indirectement. L'adresse est ABCD, n'est-ce pas? Comment je vais faire? Donc, ici, Rochancourt, aidez-moi, s'il vous plaît. 0 ABCD. Ah, voilà, je cherche le 0. Je cherche le 0. ABCD. Pourquoi je cherche le 0, parce que si une adresse en hexadécimal commence de A jusqu'à R, elle doit être précédée par 0, n'est-ce pas? Et maintenant, le pic esclave, je vais lui dire quoi? Tu es connecté sur IRQ07, n'est-ce pas? Donc, tu es connecté sur l'entrée IRQ7 du pic maître. C'est ce que je vais lui dire ici, tout simplement. Voilà, 07.
قضي الأمر. Cool, n'est-ce pas? Okay. Et le pic va, chef pic va me dire, et avec Saha, tu viens de m'informer, je suis connecté comment, avec qui, etc. Et c'est des informations dont chaque pic a besoin. C'est bon pour cette question? Allez, donc la question B oui, est en c'est fait. clair. Ah, très bien, alhamdoulilah. Donc la question A et B ont été traitées. La question C, elle dit quoi? Voyez-vous, après la phase initialisation, je pose une question sur la phase fonctionnement. Déduire en assembleur les séquences de fonctionnement OCW1 et OCW2 pour chaque pic. Okay? Vous rappelez, la phase fonctionnement, on dit toujours après la phase initialisation. La phase fonctionnement, elle n'est utilisée que si nécessaire. La phase fonctionnement également peut être utilisée autant de fois que l'on veut. OK? Ok, alors ici on nous dit, attendant, qui fais-je dans la phase fonctionnement, rétecte-vous en assembleur, OCW1 et OCW2 pour chaque pic. Bon, la première question qui va être posée, c'est quoi? Comme OCW1 et 2 ne sont utilisés que si nécessaire, la question qui mérite d'être posée, est-ce que ça, nous avons dans la phase fonctionnement, OCW1 et 2? Parce que utiliser si nécessaire. Donc la bonne question, est-ce que ça, dans la phase fonctionnement, est-ce que nous devons les écrire? Oui, monsieur. Oui, parce qu'on a le masquage ou on a un ordre de priorité qui est établi pour chaque pic. OK? Donc les deux doivent être utilisés. Alors on va commencer par celui du pic maître. Alors, si je veux aller au pic maître, là, on va faire celui de OCW1 d'abord, du pic maître. Pic maître. Donc là également, j'ai besoin de me ressourcer, n'est-ce pas? Le pic. Le OCW1, est-ce qu'il y a l'adresse paire ou impair? Chaque bit de OCW1 sert à quoi, etc. Donc, c'est des questions que je dois me poser à l'examen. Bon, est-ce que OCW1 se trouve à l'adresse paire ou impair? Vous allez avoir cette information. Parce que je vous ai promis de vous donner la structure des différents registres ici, aussi au verso du sujet de l'examen. Donc, on sait que OCW1, il se trouve à l'adresse paire, à l'impair. Impair. Excellent, excellent. Donc, nous avons dit que le pic maître, son adresse impair, c'est 67H. Donc, ça veut dire que l'adresse paire, c'est 66H, n'est-ce pas? Il n'y a que A0 qui change. OK? Donc, on va dire move AL. Et à quoi sert OCW1? Il sert à préciser quel est le masquage sélectif qui a été fait dans le pic maître. On a le schéma de montre très clairement. Un IRQ02, IRQ03 qui sont masqués. Donc, on va dire 0CH. Alors, si on l'écrit en binaire, on va dire pour IRQ07, ce n'est pas masqué. IRQ06, ce n'est pas masqué. IRQ05, ce n'est pas masqué. IRQ04, ce n'est pas masqué. Pour IRQ03, c'est masqué. Pour IRQ02, c'est masqué. IRQ01, ce n'est pas masqué. IRQ00, ce n'est pas masqué. En d'autres termes, ça équivaut en hexadécimal à dire 0CH. Je dois envoyer l'adresse paire qui est 66H à N. On dit l'amar pour OCW1, n'est-ce pas? Et avec ça, le PIC sait qu'il ne doit pas répondre aux requêtes qui lui viennent sur IRQ02, IRQ03. Sur l'adresse impair. Ah, pardon, oui. Parce que OCW1, c'est la impair. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, indiquez le hack. Voilà.
Bon? Pas de questions, c'est bon? Si je veux faire pour Hada, je deuxième. Si je le fais pour maintenant, pour CW1, pour pic esclave 1, on sait que l'adresse impaire, c'est 0.135H. Sauf que ici, qu'est-ce qui est masqué? IRQ1.0, IRQ1.1. Donc, ça va nous donner la valeur combien? 3 que j'envoie ici. C'est la réponse qui est donnée ici. Voilà, la même chose. Okay. Si vous le faites pour l'autre, ça donne cette valeur qui est là. Ça, c'est pour OCW. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? Non, c'est clair, monsieur. Ok, parfait. Gardner, maintenant, Mouhima. Parce que la question, elle dit quoi? Attendez comment vous allez écrire en assembleur OCW1, mais également OCW2. Ok. La question également, avant de répondre à cette question, c'est de se dire, est-ce que OCW2 est nécessaire? Parce que, vous vous rappelez, OCW2, c'est un Monsieur, registre, oui, il faut oui. préciser les priorités, donc c'est nécessaire. Ah, oui, parce qu'il y a établissement de plusieurs ordres de priorité, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez constaté que sur chaque pic, il y a un ordre de priorité différent. L'un, c'est IRQ07. L'un, c'est IRQ13. L'un, c'est IRQ20. OK? Donc, il faut préciser ça au pic pour qu'il travaille avec ses ordres de priorité pour obtenir dans l'ordre global des priorités. Donc, c'est nécessaire, n'est-ce pas? Monsieur, Un homme, oui. si on ne spécifie pas le OCW2, les priorités vont être par défaut, mais Par RQ0 défaut. n'est pas plus prioritaire. Exact, exact, exact. D'accord, monsieur. Exact, Monsieur, exact. Un homme, oui. dans Peak Esclave 2, ma bedelnach priorité. Mais معليش, معليش. Comment on le fait pour les deux autres? On va tuer personne pour le faire au troisième. OK? Donc, ma cache mouchkoul. Ça, c'est. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas un problème. Mais comme j'ai dit, faites-le pour chaque pic. Faites-le au khlas. D'accord? Et on n'aura pas dérangé quelque chose de spécial. Quand, par défaut, j'ai deux zéros. Tu dois travailler avec deux zéros. OK? Oui, monsieur. OK. Donc, on s'est mis d'accord qu'il faut qu'il y ait OCW2. Parce que, allez, bien qu'on nous dise utiliser autant de fois si nécessaire, on dit c'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour ici, c'est nécessaire. Pour ici, c'est nécessaire. Là, en principe, ce n'est pas tellement nécessaire, mais on le fait quand même parce que la question dit, faites-le pour chaque pic. OK. Alors, on va faire maintenant OCW2. Je préfère le sans voir la solution pour bien comprendre la chose. OCW2. Donc, première des choses, OCW2 se trouve à l'adresse paire. Je dois me rappeler, c'est des réflexes que je dois avoir l'examen. Je dis si l'adresse est paire, en mode fonctionnement, eh bien, il y a OCW2 et 3 qui ont l'adresse paire, n'est-ce pas? Et donc, je dois veiller à ce que le bit B3 soit à 0. Ben, je compte sur OCW2. Vous vous rappelez de ça? Oui, OK. Donc, on essaie de le pic mettre. Donc, c'est IRQ07 qui est la plus prioritaire. Ou l'ordre descendant, après 07, c'est 00, 01, etc. On a 06. OK? Donc, هذه هي لا بري بريوريتير سا فدير اذا جاوك دي روكيت بارتو هذه هي اللي تقبلها بارسي لا بري بريوريتير اوكي
Donc, on va faire quoi? On va établir un nouvel ordre de priorité. On va établir un nouvel ordre de priorité. Monsieur En allant. Vienne, acceptez-vous. Et donc c'est voilà, je vais vous dire tout à l'heure, j'ai accepté. Et fait Google Manage qui va rester sur le document en même temps, voir l'autre. Je dois changer pour aller voir Manage. On va accepter tout le monde. Manage, Manage. Ah, ok. يفسح اللي يحب يقرا يا صاحبي، اللي يحب يقرا يجي في الوقت، ما يجيش دركا، ما هوش الوقت اللي يحب تنفح له الواحد يجي في الوقت، هذا اقل ايمان. اوكي ا بارتي دو ماتنون جو ناكسبت لي بيرسون باس سي با دي توريزم، ما نشوف ساعه من بعد نشوف داخلين، دونك ما مديت بلي سي فو بلي، كي يا دي جون كي اتوند. انا خلاص خلاص سي بون سي بون اوكي دونك انا جو سوي سير او سي دبليو 2 اي اون فوا لو دير سي اي ار كي 07 لا بلو بريوريتير دونك اون فوا ايتابلير ان نوفل اوردر دو بريوريتي يا با دو بيت اي اس ار اي ار مترا زيرو سي جوست ايتابلير ان نوفل اوردر دو بريوريتي دونك اون فوا لو دير جو في ليكري اون بينير اي جو في رابلي دي شوز كون جو سوي سير او سي دبليو 2 Le premier bit de point fort, c'est R. On va lui dire R. Pour, on veut changer l'ordre de priorité. SL à 1, oui, parce qu'on veut que L0, L1, L2 soient utilisés. Mais il n'y a pas de fin d'interruption. Je ne suis pas dans une routine pour remettre un bit ISRI à 0. Donc voilà 0. On bad un dit 0. C'est le bit better. Ah, c'est non. Qu'est-ce qu'il ne voit pas ici? 0. Ben, voilà, 0. Ben, L2, L1, L0. Je dois mettre quoi ici, s'il vous plaît? 6, monsieur. 1, 0. 1, 1, 0. Exact. 1, 1, 0. B. Ça veut dire, j'avais dit, quand je suis sur l'établissement d'un nouvel ordre de priorité, j'informe le PIC quelle est la plus faible priorité. بعد هو يبغى يدير بار لوي ميم كالي لا بلي اوت بريوريتي دونك انا واش راح نقول له؟ راح نقول له لا 6 اي لا بلي فاب لا 6 اي لا بلي فاب سي بور فاك انا ايكري 6 دون ال 2 ال 1 ال 0 دونك يل ديدوي كو 07 سي لا بلي اوت اوكي اي دونك هذه لا فالور سي فولي لا فوار ان اكزا ديسيمال سا نو في كومبيان سي 6 Je dois envoyer où? À l'adresse père. Voilà, avec cette écriture maintenant, le pic c'est quoi? Le pic c'est que l'entrée IRQ07 étant la plus prioritaire et la plus faible étant IRQ06. OK? Donc il est informé, classe. Et c'est ce qu'on veut. Des questions sur ça? Voilà, c'est bon? Monsieur. Ok. Donc, Monsieur. Comme tout à l'heure, un âme, oui. Le can est con le can house on dire IRQ 02 ou le plus faible. Qui va y arriver? Qui va y aller l'ordre de taille? Ah, quand on dit IRQ 02, la plus faible. Oui. En principe, c'est IRQ 03, la plus haute. Mais elle ne sera pas mentionnée dans l'ordre ici, parce qu'elle est masquée. Ça veut dire qu'elle ne sera pas acceptée. Mais c'est rien la plus haute. Mais si elle est masquée, ça veut dire le pic est instruit de ne pas répondre à cette entrée-là. Donc, l'où la il y a IRQ04. On va dire IRQ5, 06, 07. On va ajouter le pic esclave. Enfin, 7, mais si 7, il joue Adam. بعد يجو هذا بعد يجي اي ار كو 0 1 وخلاص سي بون سي كلير شي ريبوندو داكور فهمتك اوكي بارفي صح با اون فا فير لا ميم شوز بور ان بيك لو بيك اسكلاف 1 اي فو فو ديدويسي انفا فو زافي لا سوليسيون بور لو بيك اسكلاف 2 دونك سي جو شيرش لو او سي دبليو 2 دو بيك اسكلاف
Hein? Que va être la chose? Je suis en train de programmer OCW2, donc je ne suis pas à 35. Mais je vais être à combien? À 34, c'est ça? Oui. L'adresse père. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que c'est IRQ1.3 qui soit la plus haute priorité. Ça veut dire déjà où le PIC Esclave 1, toutes les requêtes, il doit sélectionner et lire IRQ1.2. Et par conséquent, comme moi je programme la plus faible, je vais dire R égale à 1, SL égale à 1, OI égale à 0, ça c'est toujours à 0, le bit B3 il est à 0, L2, L1 à 0 doivent préciser la 2, n'est-ce pas? Donc ça sera ça, le B. Cette valeur serait combien? C'est C2. J'envoie out de x à n, tout simplement. Voilà la solution. Voilà. Ah, attendez, j'ai dit. Ah, on était sur esclave 1. Donc, voilà, C2. Voilà, C2. Voilà, 134, C2, et que j'envoie à dx. Pour le pic esclave 2, vous l'avez ici. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, pour cette question B? P et C. Monsieur, Non. Ah, oui, allez-y, allez-y. j'ai pas compris le bit D5, end of interruption. وقتاش يكون 1 وقتاش يكون 0. Si vous êtes dans une routine d'interruption, si vous êtes dans une routine d'interruption, ça veut dire que le processeur, il est en train d'exécuter une routine d'interruption de type requête. C'est-à-dire, elle a été demandée au PIC, il l'a acceptée, et donc il a reçu le signal INT à barre, et donc il a mis un certain bit ISRI à 1. C'est à celle qu'il a acceptée. À ce moment-là, il faut penser à remettre ce bit ISRI à 0 quand vous allez quitter la routine d'interruption TAO. Mais ici, on n'est pas dans une routine d'interruption. Là, on a, bismillah, on va établir un nouvel ordre de priorité. Je ne suis même pas avec les routines d'interruption. Okay? Donc, si c'est une préparation pour que les PIC commencent à travailler avec l'ordre de priorité, mais elles me traitent dans les routines d'interruption. Donc, il n'y a pas un bit ISRI à remettre à 0. D'où donc le bit EOI avec, je le laisse à 0, tout simplement. D'autres questions? Merci, monsieur. Ça fait. Parfait. Donc, alors, maintenant la question. Maintenant, il y a une question de qui dit tout simplement. C'est la dernière question. En supposant, supposé, hein, classe, ça veut dire le processeur BDIRDEM, le PIC-IRDEM, je reçois les routines d'interruption, etc. Hasb, ce que nous avons fait ici. En supposant que la routine d'interruption correspondant à la requête IRQ07 se termine par. Allez. IRQ07. IRQ07, snapshot. Est-ce que je suis sur le bon exercice? Non. Interro. OK. Je termine par ça. Donnez le nouvel ordre descendant des priorités des trois pics. Quand la routine d'interruption correspondante à la IRQ07 est exécutée. OK? Ici, je suis où? Je suis sur une routine d'interruption. Et juste avant de quitter la routine d'interruption, j'ai écrit ça. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce que j'ai fait? End of interrupt تاع الزر تاع Il n'y a pas que ça. بدنا Il n'y a pas que ça.
وي مسيو بدلنا الاخرى لورد البريوريتي والاندوتوكيا تاع ايوه لا السيت. ceci ce qu'on appelle rotation sur fin d'interruption spécifique. C'est ça? Oui, monsieur. Donc, c'est rotation sur fin d'interruption spécifique. Donc, deux choses vont se faire. Un bit ISRI va être remis à zéro. Et en même temps, un changement de l'ordre de priorité. Pourquoi? Parce qu'ici, voilà, R est égal à 1. XL est égal à 1. Et EOI est égal à 1. Prenez le E. Donc 1, 1, 1. Donc c'est rotation sur fin d'interruption spécifique. En d'autres termes, en même temps que le bit ISR7 va se remettre à 0, la requête IRQ07 va avoir la plus faible priorité. OK? Donc, si je reviens à ce schéma, je suis un peu perdu. Et je dois aller à l'avant. Si je viens à ce schéma, Hadi va avoir la plus faible priorité. Donc, vous voyez, aucun le plus. Ça devient moins. Si ça devient moins, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, je vais vous expliquer. 01 00 tu l'as appelé priorité. Ça veut dire, quand je viens ici, qui devient là? Je suis un peu confus. Hein? Je suis un peu confus. Donc, c'était bien la question. 0, se termine. OK. Alors, 0,7, la moins prioritaire. Si c'est la moins prioritaire, donc, ça veut dire, il y a IRQ 0,7, la moins prioritaire. Comme elle est connectée à un PIC esclave 2, donc ça veut dire, mais IRQ 07 dans l'ordre global, comme on a dit tout à l'heure. Donc, en allant écrire le nouvel ordre de priorité, je la plus Il y faible. a deux de sept. IRQ de 7. IRQ de 7. OK? IRQ de 7. D'où on voit ça ici. Voilà, IRQ de 7. Maintenant, suivez-moi bien, s'il vous plaît. Si Hadi, c'est la plus faible, ça veut dire Hadi, c'est la plus haute, n'est-ce pas? Hadi, c'est la plus haute. Si IRQ 0,7, c'est la plus faible au niveau du pic mètre, ça veut dire IRQ 0,0, c'est la plus forte, la plus forte. Mais IRQ 0,0, ce n'est pas elle qui va sortir, parce qu'elle est connectée à un pic esclave. Alors, lequel va sortir, s'il vous plaît? Qui va être la requête la plus prioritaire à ce moment-là? Meilleur que un trois. IRQ 1 par 1. D'où vous voyez IRQ 1 par 1. En absence de IRQ 1 par 1, ça sera qui? IRQ 1 4. En absence de IRQ 1 4, on a 1 5, 1 6, 1 7, 1 2. دونك هذا مكون راح يخرجوا لي دونك راح يخرجوا لي ان 3 ومن بعد ان 4 ومن بعد ان 5 ومن بعد ان 6 ومن بعد ان 7 الو فوار ان 3 ان 4 ان 5 ان 6 ان 7 ومن بعد جو في افوار كوا ان 2 باسكو هذا ما يسموش ماسكي هذا ملي يديروا كيف يسموه ماسكي ان 2 دونك جو فيريفي Voilà. Après 1, 7, j'ai 1, 2. Qui relance les 1, 1, 2. Oh, pardon, j'ai oublié. Qui relance les 1, 2. Quelle est la suivante? Zéro C'est un. celle-ci. 0, 1. En bas, je vais avoir quoi? 0, 4. En bas, je vais avoir
0,5. Je vais avoir 0,6 en bad et j'en ai quoi? J'en ai 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 et 2, 7. Et donc, on a dit que 2, 7 étant la dernière. Voilà. 2, 7 étant la dernière. Voilà. Donc, on a changé complètement l'ordre global de mon système. Des questions sur ça? Très bien, donc voilà pour l'exercice, qui est un très bon exercice quand même. C'est un très très bon exercice. Et si vous voulez, on va passer à autre chose. Pas de questions, c'est bon pour Heather? On passe à autre chose? Oui, On monsieur. va passer. Oui, Ok, on monsieur. va passer. Ah non, oui, allez-y. J'ai une Allez-y. question, mais hors ce exercice. Elle a le pic, mais je suis fait l'exercice. Alors, une Monsieur, question. sur... Ah, bah, ne me dites pas résoudre le problème. Une question, allez-y. monsieur. Concernant, monsieur, les ports case 0, case 1, case 2, j'ai... Où je dirais exactement, monsieur? Ces Maintenant, nous sommes lignes-là, arrivés, on a des sorties de pic matter et des entrées dans le pic oh, matter. exact, exact. Ces lignes, si vous avez dans votre système un seul pic, mais que je pique mettre pic esclave, s'il y a un seul pic, elles ne seront pas utilisées. Parce que ces lignes-là, case 0, case 1, case 2, elles sont utilisées seulement si je suis dans un système en cascade. Wadha. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, quand je, donc, il y a qu'un seul pic dans la machine, donc elles sont pas utilisées. Si je suis dans un pic en cascade, chaque ligne case I, ça veut dire case 0, le pic mètre, trouve aux différentes entrées IRQ0 du pic esclave, des pics esclaves. IRQ1 trouve case 1 trouve à toutes les entrées case 1, tu as les pics esclaves, etc. pour case 2. Là, c'est le mouvement tech en tant qu'installateur d'une machine, branchement, etc. Le reste, les lignes sont utilisées d'une manière interne pour la discussion entre les pics. Okay? Elle est transparente à toi. Un tel mouvement tech, tu les connectes. Ah, d'accord, Ben, monsieur, lazem na'rfou qu'est-ce qu'il faut. non, c'est tout simple. ممكن c'est pour. Je donne un exemple. Une requête vient ici. Elle a le pic mètre, IRQ07. Et le processeur est d'accord. On sait que ce n'est pas le pic mètre qui va. Maintenant, exécuter la routine. Il va dire au pic esclave, tel, il va exécuter la routine d'interruption. Donc, c'est une discussion. C'est le pic mètre à travers case 0, case 1, case 2, va dire, tel, tu vas répondre à quelle est la routine d'interruption à exécuter. Donc, c'est transparent à l'utilisateur, le mouvement. OK? Le mouvement tech, c'est que tu les connectes. Qodiyal Amr. Wadha, c'est bon? Oui, monsieur, d'accord, merci. OK, parfait. Monsieur, Anam, oui, je peux vous poser une question, mais elle est aussi hors exercice. Malish. Non, les questions, sauf les questions, posez-les, il n'y a pas de problème. Ok, Goutkoum, évitez-moi de. Je vais vous dire l'exercice si vous voulez aller l'exercice. Parce que j'ai fait un choix d'exercice. Allez-y, allez-y. monsieur, le cours des interruptions, on a dit que les interruptions logicielles. Lorsqu'on entrait dans une routine d'interruption, ça forçait les bits IF et TF à zéro. Pas seulement le logiciel, toutes les routines d'interruption, Voilà, qu'elles c'était soient ça ma question. matérielles, qu'elles soient matérielles ou logicielles, au col, elles remettent les bits IF et TF à zéro. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon? Voilà. Merci. Halina, c'est moi. D'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Monsieur, genre la question qui touche l'examen, ça me touche bien. Si sur le bus d'adresse, le CPU envoie l'adresse AFF0H, est-ce que cela concerne
la mémoire centrale ou un port d'entrée sortie? عاود لي لا كيستيون بشويه مطلق بشويه لا كيستيون باسكو ما تستعو ما دخلتليش راسي عاودها شوف Si, sur le bus d'adresse, le site le CPU. ouais. Le CPU envoie l'adresse. حسنا قلت لي لبس Bus d'adresse. ها Le CPU envoie l'adresse AFF0H. ها AFF0H. OK. Est-ce que cela concerne la mémoire centrale ou un port d'entrée-sortie? Le CPU envoie AFFH. 0H, AFF0H. AFF0H. Oui. AFF0H. Hein? Est-ce que c'est Est-ce que ce sont Oui. la mémoire centrale ou un port d'entrée-sortie? Je trouve que la question elle est incomplète. Pourquoi? Je ne peux répondre à cette question que lorsque je saurai cette adresse, est-ce qu'elle a été utilisée avec un move? Voilà, avec in et out. C'est là où je pourrais répondre à cette question. OK? Dans quel cadre cette adresse a été utilisée? Est-ce que c'est avec in et out ou là avec d'autres instructions? Monsieur, ça m'a dit qu'on in ou out pour le mal portant des sorties ou qu'on move ça pour mal la mémoire? Ah, répondez à la question. D'accord, monsieur. Quand vous me ramenez des questions, s'il vous plaît, je n'assume pas la responsabilité de celui qui a posé la question. Ok? Si ça vient de mes exercices, de moi, je prends la responsabilité. Si ce n'est pas de moi, je ne prends pas la responsabilité. Mais si cette adresse qui a été fournie dans le bus d'adresse a été citée avec in et out, ça veut dire que ça concerne les entrées sorties. Si c'est avec d'autres instructions, je vais vous move, je vais que ça peut être add, donc c'est la mémoire. On peut aussi vérifier le bit MIO. Oui, mais le bit MIO bar, c'est la conséquence du décodage de l'instruction in et out. Mais si on a le contenu de ce bit, on pourra savoir est-ce qu'on est Exact. Maintenant, le critère, puis le MIO bar égale à 0, ça concerne l'espace entrée-sortie. Si ce signal MIO bar est égal à 1, ça veut dire que ça concerne l'espace mémoire. Mais le signal MIO bar, c'est la conséquence du décodage de l'instruction. C'est compris, d'accord. Merci. Voilà. D'autres questions? Monsieur, Anam, pardon. Est-ce que l'initialisation ici W1, est-ce que nous allons pour chaque pic ou juste le pic mat? Alors, خليني نذكرك. إن شاء الله نخبرك. Donc, نذكرك. Tu vas déduire par toi-même ce qu'il y a à faire. Hop. سامحني دقيقة برك دقيقة شوية نلقاها فوالا اللي هنا فو فرابلي دو هذه لابليكاسيون هذه سيتي شافي ان سيستيم دو بيك اي اون نو دوموند دو فير لا فاز انيشياليزاسيون. Vous voyez qu'on l'a faite pour chaque pic. Alors, la phase initialisation du pic maître, la phase initialisation du pic esclave. Donc, le ICW1 pour le pic maître, c'est le pic esclave. C'est bon? Oui, monsieur. Que pratiquement, c'est la même valeur que vous allez mettre. Mais chaque pic exige sa phase initialisation. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Ok, parfait. Donc, comment est-ce que c'est? On va d'autres applications parce que je ne prends pas le temps. On va d'autres applications, c'est bon? Allez. Je vais donc arrêter ce partage. Arrêter. Et je vais mettre
D'abord, est-ce que le fichier est chargé ou n'est pas chargé? Très fabrique. Ya Allah. Voilà. Révision. Je vous ai donné également un fichier PDF de révision. Donc, je suis en train de partager avec vous un autre document. Donc, voilà, si vous voulez, une révision d'un examen qui s'est passé en 2018-2019. Donc, vous avez le sujet et le corrigé. Donc, je sais pas que le corrigé, vous l'avez. Je sais pas que de compléter les informations. J'espère que vous avez jeté un coup d'œil sur ça. Vous voyez le fichier, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est partagé? Ok, très bien. Voilà. Voilà un examen, un type d'examen que j'ai donné en 2018-2019. Il y a trois exercices. Donc, le premier exercice est noté sur 8 points, le deuxième exercice est sur 6 points, le troisième exercice sur 6 points. Ok, donc, on va discuter ensemble. On va l'énoncer, on discute les réponses ma part. Soit le circuit d'interface suivant, dénommé Archi 2019. Quand je dis un circuit d'interface, ça ne veut pas dire le PIC. Ça peut être, nous savons, chaque périphérique a son circuit d'interface pour échanger des données avec le processeur. Le PIC, ça, c'est un circuit d'interface, mais il est utilisé seulement pour les requêtes, pas pour l'échange de données. L'échange de données, c'est d'autres circuits d'interface. Le PIC, c'est un circuit d'interface d'entrée sortie, ça, mais c'est juste pour la gestion des requêtes. Donc, soit le circuit d'interface suivant, que j'ai appelé Archi 2019, permettant l'échange de données entre le microprocesseur et un type spécifique de périphérique. Donc, très long, un périphérique qui veut échanger des données avec le processeur, donc il a besoin d'un intermédiaire, un circuit d'interface qui va faciliter l'échange, et nous supposons que c'est ce circuit qui est là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez dans ce circuit? Voilà des 0 à des 7 qui vont être connectés au bus de données entre le processeur et le circuit d'interface pour échanger des données. Le périphérique là maintenant, il envoie des données, et le processeur de ce côté-là. CS1 bar et CS0 servent à quoi? Servent à sélectionner ce circuit-là, là, c'est chip select, qui est le qu'un CS bar avec le PIC. Donc, chaque circuit d'interface a ce qu'on appelle ces lignes CS. À quoi servent ces lignes-là? Servent quand le PIC veut initialiser, veut programmer le circuit d'interface, comment il doit travailler. Donc, il va lui écrire des informations de contrôle. Donc, le processeur doit sélectionner. Il dit le circuit, rani nhadar maak. Alors, où est-ce qu'il dit le circuit? يقول للبروسيسور إذا حبيت تهضر معايا pour me programmer tu dois m'envoyer quoi ici et ici. Comme vous voyez que CS1 bar est à bas, donc 0 ici et 1 ici. Donc de par là sur le processeur, s'il veut parler à ce circuit pour le programmer, il doit mettre 1 ici et 0 là. Pourquoi? Parce qu'on a CS1 bar et CS0. Sur le PIC, il y avait marqué une seule broche CS bar. Donc, il faut qu'il la mette à zéro. Il n'y en a qu'un zouch. Donc, les deux lignes qu'on appelle les lignes de sélection du circuit d'interface. Et donc, il est clair que le circuit, il dit au microprocesseur, pour me programmer, avec polling, avec interruption, etc. D'abord, mets-moi un 0 ici et un 1 ici. OK? Il va me dire la combinaison. Moi, le circuit, je considère que je suis dans ma. Il dit ça au processeur. Une fois que le circuit est sélectionné, ici, bien sûr, il y a des registres. Les lignes A2, A1 et A0 vont dire à quel registre on veut parler. En d'autres termes, où je t'allume tout avec le PIC, maintenant, il faut le généraliser, parce que c'est la réalité. Sur le PIC, il n'y avait que la ligne A0.
اللي هنا هذا يقول لك عندي A0 A1 et A2. Alors A0 va être connecté à la ligne A0 du bus d'adresse, A1 va être connecté à la ligne A1 du bus d'adresse et A2 va être connecté à la ligne A2 du bus d'adresse. Et ça, c'est la ligne d'interruption. Au cas où il y a une nouvelle donnée, le circuit peut envoyer une interruption au processeur, une requête pour lui dire « Andy, une donnée pour toi ». Est-ce que vous avez d'abord des questions sur ça, avant d'entamer la chose? En d'autres termes, où je t'allume le pic, maintenant c'est plus général ici. Par ça, c'est la réalité. Vous allez à n'importe quel circuit d'interface que vous avez dans votre ordinateur, il y a les lignes CS, il y a les lignes AI, donc il y a toujours ça. Donc la compréhension dans un circuit me permet de comprendre ça dans d'autres circuits. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Monsieur, pourquoi deux types de l'acte? Chauffe, ça c'est la conception du circuit. Eh bien, il y a même trois lignes CS. Ça dépend de la nature du circuit. Le qira al tel il est dirha. Ce n'est pas pourquoi il y a deux. Le qira al il est dirha, c'est le circuit, dit au processeur, il est habité à dire maïa. Il y a un 0 là, il y a un 1 ici. Il y a l'amar. Au lieu de dire, il y a un zouj, ça dépend de la circuit électrique à l'intérieur, etc. Il y a un 3. Il y a un 3. Le pic a un 1. Ça, c'est la nature du circuit. Mais ce n'est pas ça qui est important, ce n'est pas le nombre. Ce qui est important ici, c'est que le circuit exige au processeur, il a bien de la il a un 0 là, un 1 ici. Ok? D'autres questions, s'il vous plaît? Ok, là, c'est maintenant. La première adresse d'entrée et sortie, la première adresse, parce que c'est un circuit d'interface, on a bien dit un circuit d'interface. La première adresse ici, on suppose que c'est adresse d'entrée et sortie, c'est A2D8. A2D8, qui met le pic mètre sur notre machine, on doit l'adresse d'un H, 21H. Ici, j'ai parlé de la première adresse, A2D8. Je n'ai pas donné toutes les adresses. La ligne IRQ7 du PIC, dans l'adresse impaire, et l'adresse impaire du PIC, auquel la ligne est connectée. Donc, on suppose que la ligne de demande d'interruption, quand il trouve un circuit d'interface, trouve sur IRQ7 du PIC. Et on suppose qu'il y a un seul PIC. Okay? Donc, la ligne. C'est une ligne de requête, elle va aller sur le pic, sur IRQ7. On suppose qu'il y a un seul pic dans la machine. Des questions sur ça pour l'instant? Ok, donc on a bien que c'est par les questions. Maintenant, Tim Choumaï, on sait où nous fermons, parce qu'il y a de la philosophie là. Alors, la première question, s'il vous plaît, sur la base de ces informations que je viens de donner, peut-on connaître le nombre de registres internes qui est dans ce circuit d'interface? Est-ce que nous devons savoir il y a combien de registres qu'on peut programmer dans ce circuit d'interface? Si oui, donnez ce nombre, sinon, argumentez. Monsieur, on a trois lignes d'adresse, donc je pense qu'il y a huit registres. Ah, c'est une hypothèse, c'est très innocent ce que vous venez de dire, c'est quelque chose de mentiré, mais c'est faux. Ou alors c'est faux, parce que la question qui est à un sujet d'examen, je voulais compter sur le vécu de l'étudiant, où je t'allume le PIC, parce qu'il faut le généraliser sur les autres circuits, parce que le PIC est un circuit d'interface. Donc, je t'ai dit maintenant, je peux le généraliser pour d'autres. Alors, Khalina Rahoul, le pic, qui compte fait le pic? Quand on dit une seule ligne à zéro barc, n'est-ce pas? Le pic est un autre circuit. Donc, il n'y avait qu'une seule ligne à zéro. On avait dit que cette ligne permet d'accéder à un des registres internes, c'est le pic. Qui sont soit les IC, soit les OC. OK. Quand, qui compte le pic? Il n'y avait que A0. Et là, je suis dans la réponse à le dernier étudiant.
À ce moment-là, on dit A0 peut changer en deux états, soit 0, soit 1. Donc, on dit qu'on a deux registres. Est-ce que ça, c'est vrai? Nous avons dit que le pic, quand il y a, masha'Allah, ICW1, 2, 3, 4, OCW1, OCW2, OCW3. هذا مينيموم دو روجيستر عندي واحد الويت روجيستر الوغ كو جافي كون شالين ا زيرو مي في لو بيك واش قلنا قلنا دقيقة برك في لو بيك قلنا لادريس امبورتونت مي ان دوتر كونديسيون تيل كو لوردر كي ايت امبورتون او بيان دون فونكسيونمون بي 3 كي ايت امبورتون كي ديزي اسكو جو سوي سير او سي دبليو 2 او 3. Donc, l'adresse ne suffisait pas sur le pic. Il y avait l'adresse et d'autres conditions. Donc, une gile, je dis qu'il y a un A0, A1, A2. Est-ce que ça veut dire que je vais avoir 8 registres par colonne? La réponse, je ne peux pas connaître le nombre de registres. Parce que même ça, c'est l'adresse plus une autre condition que je ne connais pas. Qui m'a quand sur le pic? Le pic, qu'on a dit A0. Donc, il n'y avait que deux adresses possibles. Mais il y avait des conditions en plus, telles que l'ordre, etc. Et j'avais beaucoup de registres. Donc, sur la base du vécu, ce que j'ai vécu avec le pic, je vais dire, non, je ne peux pas connaître le nombre de registres internes. Mungkin, c'est l'adresse plus d'autres conditions. Donc, la réponse à cette question, qui est la suivante, là, voilà. La réponse, elle est là. Voilà. Ah, la réponse, non, car on l'a vu avec le pic, à une adresse, à une même adresse, peut correspondre, peut être associé à plusieurs registres. Sauf non. ICW2, 3, 4 se partagent la même adresse. OCW2, OCW3 se partagent la même adresse. Donc, le fait de connaître le nombre d'adresses, ne me permet pas de dire je connais le nombre de registres parce qu'il y a d'autres conditions qui sont également utilisées. Voilà. Oui, l'étudiant qui voulait me poser une question. Monsieur, mais les ICW et les OCW ne sont pas des registres, n'est-ce pas? Ce sont des registres. Le PIC, c'est ça? Oui. Et vous allez écrire dans le PIC. Ce sont des registres. Attendez. Ah, j'ai compris votre question. Quand on dit registre, c'est le processeur. Là, là. Non, monsieur. Monsieur, le registre, les RAM d'Achel le PIC, on a le IMR, le ISR. Même les ICW, les OCW, ce sont des registres parce que c'est des lieux où on peut écrire. Un registre, par définition, c'est quoi? C'est un lieu de stockage où on peut écrire et lire. Le ICW, le OCW1, maintenant, c'est un registre que vous pouvez lire et écrire. Ah, d'accord. Donc, c'est un registre. Par exemple, les ICW, que je, ils sont stockés dans... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, mademoiselle, allez ici. On connaît que, par exemple, le OCW1, c'est bien le IMR, c'est ça? Oui, il y a un mot qui s'appelle Haj Moussa, ou parfois Moussa Al-Haj, parfois Al-Haj Baraka. Donc, que vous dites OCW1, vous dites le IMR, c'est kif-kif. D'accord. Monsieur, monsieur, la question, monsieur. Par exemple, le OCW1, qui est راح يديرنا لا فالور تاع لو اي ام ار دونك ما كانش عندنا ريجستر سيباري اللي اسماء او سي دبليو في ان اللي ستوكينا لا فالور دو او سي دبليو في سي يا انستوك او سي دبليو في ان وكي هو اون ستاك لا فالور سينو جافي دي لا ديرنيير فوا ما تي بوزي لا كيسيون اي جي دي بور لو او سي دبليو في ان سو كو فو زيكريفي فو بوفي لو لير فو بوفي كونيتر كاسكي ماسكي دونك يا ريجستر كي ستوكي سيت انفورماسيون اوكي. Donc, le fait d'avoir A0, A1, A2 ne me dit pas il y a combien de registres internes. Il y a un registre plus une autre condition pour accéder à ce registre-là. Okay? Et donc, pas forcément, j'ai 8 registres.
On va aller à la question B. C'est pratiquement la même question. Peut-être que j'ai utilisé copier-coller pour l'écrire. Peut-on connaître le nombre, peut-on connaître le nombre d'adresses d'entrée et de sortie de ce circuit d'interface? Alors, revenons à ce qu'on connaît, le PIC. Est-ce que le PIC n'avait pas A0, A1, A2, n'est-ce pas? Il avait seulement A0. Est-ce qu'avec le PIC, on connaissait d'avance le nombre d'adresses d'entrée et sortie à le PIC? Le nombre? La réponse est oui. Une adresse paire et une adresse impaire. Donc, chaque PIC a deux adresses. Parce qu'il suffisait de faire changer A0 tout simplement. L'ENA, c'est le même principe. Au lieu d'avoir seulement A0, on dit A0, A1, A2. Donc, je peux avoir combien d'adresses possibles pour ce circuit-là? 8 en balance. 8. 8. 8. Donc, c'est différent. Tout à l'heure, on a dit je ne peux pas connaître le nombre de registres parce que c'est l'adresse plus une autre condition. Mais le nombre d'adresses, je peux la connaître de ce circuit-là. Je vois que c'est A0, A1, A2 qui sont connectés à partir du bus d'adresse. Donc, 2 à la puissance 3, ça me fait 8. Comme dans l'énoncé, on m'a donné la première adresse, A2, D8, la première adresse. Donc, je connais les suivantes en faisant varier A0, A1, A2. Et donc, je vais arriver jusqu'à cette adresse qui est là. Faites changer A0, A1, A2 et vous allez avoir toutes ces adresses. Donc, voyez-vous, les adresses de ce circuit ne me posent aucun problème. Je les connais toutes. Mais le nombre de registres, non. OK? Donc, d'une adresse à une autre, faites varier les bits A0, A1, A2, vous allez avoir toutes ces adresses-là. Est-ce que c'est réglé, s'il vous plaît? Et tout cela, je réponds parce que j'ai un vécu avec le PIC. Donc, le vécu HEDEC, il est très important. Je vais l'appliquer à tous les circuits d'interface qui existent sur Terre. C'est le même principe. Tous les circuits d'interface, en termes de lignes CSI, on donne des lignes AI. Voyez-vous, donc, les réponses sont claires. Il n'y a aucune ambiguïté pour répondre à ces questions. Je passe à la question C. OK. Alors, la question C, elle dit programmer. Allez, maintenant, on revient à la programmation. Programmer en assembleur le PIC. Le PIC, on a supposé qu'il y a un seul PIC, n'est-ce pas? Voilà, on suppose qu'il y a un seul PIC. Programmer en assembleur le PIC qui est relié à cette ligne-là, de telle sorte que les requêtes provoquées par la ligne IRPTHD auront la priorité la plus élevée dans le PIC. On va partir. Le PIC ira être connecté à cette ligne-là. L'énoncé dit que cette ligne est connectée à IRQ7 de ce PIC-là. Nous avons que IRQ7 de ce PIC-là va avoir la plus haute priorité. C'est là, n'est-ce pas? Qui programme l'ordre de priorité? C'est le OCW2, n'est-ce pas? Le OCW2 qui se trouve à l'adresse paire. Dans l'énoncé, on nous a donné l'adresse impaire de ce PIC. Voilà, l'adresse impaire du PIC, c'est C083H. Et le OCW2 se programme avec l'adresse paire, n'est-ce pas? Donc, si l'adresse impaire de ce PIC, c'est C083H, son adresse paire serait C082H. Pourquoi je suis intéressé par l'adresse paire? Parce que je vais programmer le OCW2. Voilà, donc move DX0C82H. Vous voyez, j'utilise la forme courte parce que l'adresse dépasse 8 bits. Maintenant, je veux que IRQ7 ait la plus haute priorité. Donc, je dois programmer dans OCW2 quoi? La plus faible priorité. Et si vous vous rappelez très bien, dans OCW2, donc je dois dire R égale à 1, SL égale à 1, EOI égale à 0, parce que je ne suis pas dans une routine d'interruption, je suis juste en train de programmer l'ordre de priorité. Ça, c'est toujours à 0. B3 égale à 0. Et si je veux que IRQ7 ait la plus haute priorité, je dois programmer IRQ6 comme étant la plus faible. Voilà. B.
Cette valeur, c'est bien égal à combien? C'est 6. Donc, je fais move AL 0, c'est 6H et out DX AL. Et je suis sûr que le pic qui est connecté à cette branche-là va donner à la requête qui vient de ce circuit d'interface la plus haute priorité. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? دخل ما رحتوش رقم نحن السنة السنة قرأ شو بركة رقم نحن لما كان أنا 68 هلا سبعة لا بس فال سينوس يخوفني نقول بالك راني نهدر وحدي أوكي سي بان سي كلير أوكي دونك اسكو كملنا لي كيستيون تاع هذا جو سي با مازالت ان كيستيون جافي برومي دو ريفينير سور لو ديكودور دادريس. Et voilà la question, qu'est-ce qu'elle dit? Donnez le schéma de câblage du décodeur d'adresse du circuit HI 2019. Utilisez seulement des portes OR à 4 entrées pour faciliter la tâche. Alors, où je mets la question, Harry? Maintenant, la chose suivante. Nous avons un... C'est quoi les adresses? Un système des adresses. Voilà. Si jamais le processeur utilise ces adresses, une de ces adresses avec in ou bien out. In ou bien out. Comment ce circuit va dire c'est pour moi? Et d'autres circuits, dans la mémoire, vont dire ce n'est pas pour moi. Okay? Parce que le processeur, maintenant, on écrit quelque chose comme ça. On écrit quelque chose comme ça. Maintenant. اكتب مور اي اكس 0 ا 2 دي 9 مثلا اش وراني اوكي جي كومبري استنى باش يلبسوني سي باش ما تخلطوش الامور مش هذه صوتها كلها استنى نحيها 0 ا نشان D 9 H بعد هل جف كيسا out 2 D 9 A 0 A A وي A 2 2 لهنا 2 هكذا سي بون كوم سا سيبوزين نكتب هكذا في كاع العالم تاع لاكارت مير Comment est le circuit BERC qui va dire Ah, tiens, le professeur veut m'écrire quelque chose. Ou le chorin kulhum, y compris la mémoire, on dit non, mon chlina qu'il veut parler. C'est pas un nom qui veut écrire. C'est l'adresse. Exact, c'est le chip select. C'est le chip select. Parce qu'il faut que. Qu'il y ait un circuit qui va transformer cette adresse-là de telle sorte qu'il a un 0 ou un 1. Okay? Donc, il doit y avoir un circuit là, qu'on appelle le décodeur d'adresse qui va transformer cette adresse, quand cette adresse est citée, mais avec in ou bien out, il y a un 1 ou il y a un 0. À ce moment-là, le circuit dit « Ah, je suis sélectionné par le processeur, il veut me parler, et d'autres circuits ne doivent pas recevoir cette combinaison. » C'est ce qu'on appelle un décodeur d'adresse. Ok, donc alors, c'est un truc là-bas. A, 2, D, 8. Alors, laissez-moi donc développer avec vous l'adresse A, 2, D, 8 jusqu'à A, 2, D, D, F. هي هذه على شوف نوع منها جسي دو ديفلوبي لي زادريس تاع كو سو سيركوي دو كونيتر هذا لو سيركوي دو كونيتر هاي لو ا سا سي لو ا سا سي لو 2 سا سي لو دي
وهذا سا بيتر سوا 8 سوا A سوا 8 سوا 9 سوا A باسكو نو زافون فيو لي ديفيرونتس ادريس اوكي دونك شي لسي A0 A1 A2 باسكو ال ال شونج بور سيليكسيوني لو سيركوي دونك خليتهم اكس اوكي alors ce que je constate dans les adresses A2 D8 jusqu'à A2 D9 donc si vous prenez toutes ces adresses il n'y a que ces bit qui change. Bien le 8, le 9, le A, le B, et le F. Donc, on va laisser ces trois qui changent, ils jouent là. Ou cette la partie qui ne change pas. Ça veut dire quoi? Même quand l'adresse, elle la partie ne change pas. Même quand l'adresse de A2, D8 jusqu'à A2, DF ne change pas. Et il y a le génie de la souche pour sélectionner le circuit. Alors, je fais quoi? C'est très simple. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Je dis pour les adresses A2D8 jusqu'à A2DF, A15 est égal à 1. A15 est égal à 1. Voilà, A15 est égal à 1. Donc, il y a un 1 ici. Donc, moi, je vais l'inverser, mais je vais prendre un 0. Pourquoi? Parce que là, je vais atterrir ici avec un 0. Donc, je l'inverse. هذه سي ا 14 اللي هي 0 دونك نقول هذا دونك لا لين هذه نس ملاح دونك تلك اللي شو لا نس هذا سي تا 1 دونك جو لان ونعم وي انا علاش ما درناش البيت 0 درنا له الانفيرس والبيت لي بيت كي سون 1 خليناهم كيما راهم ابخي في سي اس 1 نديرو الانفيرس اوكي انا شنو سي خلينا نذكروا الشيوخ اللي قراوكم كيف فوز في كورس دكتور ماشين سي بوت لي شكون قرا لكم دكتور ماشين لاني دارنيير ما كان شي دال ماشي فرغون مسيو بكره مسيو مسيو عبد المجيد اوكي بكره اوكي بارفكت quelque part, on vous a montré dans ce cours-là que chaque circuit logique peut avoir un circuit logique équivalent. On vous a parlé à un certain moment l'année dernière, il y a des caractéristiques à l'intérieur de l'Asseha, parce qu'il y a un expert, on vous a parlé de la loi de Morgan, qui dit que toute multiplication logique peut être converti en addition logique. Comment ça? Khalini Fokkarkum. Il a d'accord à Taïmniha. Quand vous avez. Maintenant, Khalini A, B. Donc, les deux sont barres. Hein? Est-ce que je peux faire une barre? Mais une barre ici. Très capable. Ça, c'est un rappel. Hein? Voilà. Bon, quand je fais ça, lisez par ça A et B, tout est barre. Hein, tout est barre. OK? On vous a bien dit que ça, oh, pardon, c'est bien égal à A plus B bar. S'il vous plaît, ça, comprenez pas ça, Hakdam. Comprenez comme ça. Tout est bar. C'est la loi de De Morgan. Vous vous rappelez de ça? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Ça veut dire quoi? Que tout circuit logique que vous faites avec des E, avec des AND, des portes AND, a un circuit équivalent. Ou vous pouvez le faire avec des OU. Ça? Oui, monsieur. Donc, c'est un choix de conception. Il y a un laboratoire qui a un grand report OU. Mais monsieur, ma... monsieur, je vais vous dire que nous avons le OU. Ou, la semaine, dire les inverses pour les bits qui sont à 1, dirons pour les bits qui sont à 0. Ah, ok. Eh, on bête. Après, la fin, on dirait pour CS1 bar.
لو انفرس و سي زيرو نخليها كمان ما تمشيش ما تمشيش شوفي بو دير واش شوفي بو دير فو فولي هاد من زانفرسير لي ماتير لا و يا دي زيرو سي سا وين ما تمشي لكش باسكو اسما مالا واش راح يخرج لك لهنا راح يخرج لك ان وي كي يخرج لك ان اسكو تي كوني دو اي فيني لو ان Tu ne peux pas connaître d'où est venu le 1. Par contre, quand tu as 0, c'est autre chose. Connais-tu, c'est bon? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Ok, ça fait. Parfait. Alors, on avance. Tout ce qu'il y a des 1 ici, je vais les inverser. Ou là où il y a des 0, on ne se mêle pas parce qu'à la fin, je veux récupérer un 0 ici. Ok? Donc, voyez-vous, le A15, quand je suis sur A2, D, quelque chose, il est égal à 1. Je l'inverse. Je ne l'inverse pas parce que c'est un 0. Je l'inverse, c'est un 1, etc. À la fin, je vais sortir ici avec quoi? Je sors avec quoi ici, s'il vous plaît? Des 0, là, non? Avec un 0. Avec un 0. Là, la même chose. Vous voyez que qu'il y a un 9 qui est égal à 1. Donc, c'est le seul que j'inverse. Et je vais sortir avec un 0. Là, voyez-vous, il y a 1, 2, il y a... il y a des 1, donc je les inverse avec ça, ou je l'inverse, je sors avec un 0. Gardez-le le bit, le bit A3. Voilà le bit A3. Voyez le bit A3. A3, 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 voilà A3. On a une bonne moindre, parfois, je, voilà. A3, A1, je dois l'inverser. Le A2, et 1-1-1-0, c'est des bits qui changent pour le même circuit, ils changent. Pourquoi? C'est pour aller sélectionner un des registres internes. Donc, je ne peux pas compter sur ces bits qui sont là, qui changent pour le même circuit, pour sélectionner le circuit. Donc, pour dire, une fois que le circuit est sélectionné, ils vont dire quels sont les registres qui vont être utilisés. Okay? Donc, je fais les lignes CSI. Donc, ils vont travailler seulement quand le circuit est sélectionné. Ça veut dire quand je vais avoir un 0 ici et un 1 ici. Par contre, il serait intéressant de prendre un miobar, comme a dit votre collègue tout à l'heure. Parce que si je veux que ces adresses travaillent seulement avec in et out, seulement avec in et out, ça veut dire que le signal là va sortir avec quoi? Avec un 0. Serait intéressant de le mettre. À ce moment-là, je vais avoir un 0. C'est une protection, parce que si jamais quelqu'un a fait ça, je vais vous expliquer. Peut-être que quelqu'un a fait ça. Move BX. Voilà, BX. 0, 1, 2, D, 9. Maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Pour A, 2, D, 9, H. H. Ou der, move. Entre crochet. BX. Virgule. AL, mais il y a une autre valeur là. Je mets n'importe quelle valeur. Si j'ai programmé ça, est-ce que dans le circuit va dire c'est pour moi là, non? Bien que j'ai cité une adresse A2, D9. Ou parmi les adresses qu'il connaît, A2, D9. Est-ce qu'il va se réveiller, il va dire c'est, tiens, processeur, c'est moi qui programme là, non? Non. Voilà, non. Parce qu'il va accéder à la mémoire. Parce qu'il va accéder à la mémoire et ce signal-là va être un miobar égal à 1 et là je vais avoir un 1. 1 avec des 0, ça donne un 1. Et donc ici je vais recevoir un 1 et le circuit ne sera pas réveillé. Par contre, si je fais move bx 0 à 2 et 9h. Je dis out dx à l.
voyez maintenant cette deuxième écriture. Selon vous, ce circuit qui est là, notre circuit, est-ce qu'il va dire, tiens, le processeur est en train de me programmer ou là, non? Oui. Oui, parce qu'au allège, ici, on a utilisé out, et par conséquent, la branche LL va faire sortir un 0. Le 0 avec le 0 qui est là, donc ça va me faire arriver à un 0 là. Et donc, il va se réveiller. Alors, je reprends. Donc, en ayant fait des inverseurs qui sont là, je suis sûr d'avoir un 0 là, un 0 là, un 0 ici, et un 0 ici. Je fais rentrer tous ces 0 à travers une autre porte O, et ça va me donner un 0. Et donc, c'est un 0. Et là, qu'est-ce que j'ai profité? Au lieu d'aller fabriquer un autre décodeur d'adresse, je profite de cette ligne-là, je vais l'inverser. Donc, si c'est 0 là, il va recevoir un 1. Donc, j'aurai 0, 1, et le circuit va être content, il va dire le processeur est en train de me programmer. Autre que ces adresses que j'ai citées là, autre que les adresses que j'ai citées ici, autre que ces adresses, le circuit qui est là ne sera jamais réveillé. Monsieur, j'ai une question. Oui. La question C. Oui. Out de X A est à 0C 082. Qui va savoir le pic TNA en projet? Ah, qui va savoir que le pic TNA? Ah, projet à de l'adresse elle est projet associé à ce pic. Ben, tu vas te hajj, inchallah. Ce que je viens d'expliquer pour ce décodeur d'adresse qui est là, qui concerne ce circuit, le pic TNA a son décodeur d'adresse. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Donc, si vous allez mettre quelque chose comme ça, là, vous dites, là, on dit le pic TNA. Le pic, là. Okay. Et donc, on sait que la ligne INTRPT va venir là, à ce circuit. Alors, هذا le pic qui est là. Donc, qu'est-ce qui va être réveillé? On a vu ici que l'adresse est 0C82H et la 0C83H. Donc, vous allez développer la même chose. Vous allez écrire là 0C82H et 0C83H. Vous allez voir là où il y a des 1. Vous inversez et vous allez venir sur la broche CS bar de ce pic. Donc, il va y avoir un autre décodeur d'adresse, tel qu'on a fait ici. Vous allez le faire pour chaque circuit d'interface, il y a un décodeur d'adresse. Donc, il serait bon de compléter ce circuit en mettant le pic là. On sait que la ligne INTRPT va venir sur IRQ7. Mettez CS bar ici, parce que le pic est CS bar. Et voyez comment donc, ce pic sera comparé avec lui et concevez la même chose, le même décodeur d'adresse. En faisant quoi? Vous allez venir ici, qui m'a là. Et vous allez comment? Et vous allez dire, cette fois-ci, j'ai quoi? J'ai 0C82H et 0C83H. Donc, ici, vous avez 0. Ici, 0. Là, 0. Ça, c'est pour le pic, n'est-ce pas? Ça, 80, ça me fait ça. Ça, c'est un 0. Ça, c'est un 0. Donc, le 8. On a dit 0, ah, non, 0, C. Donc, c'est un 1. Voilà. Le 8, 0, C, 82. C'est un 0. C'est également un 0. Ben, on dit 82 et 83. 82, donc, ça, c'est un 0. 82, donc هذا, c'est un 0. 82 ou 83, là c'est un 1. Et le A0, parce que le pic est ouvert A0, هذا X. Donc quand vous êtes sur le pic, on est ouvert A0. Donc elle est connectée à A0.
Et là, vous voyez la partie qui ne change pas des adresses, que ce soit 0C82 ou 83. Là où il y a des 1, vous allez les inverser, qui ont la même chose. Vous rajoutez le 1 mi au bar et vous allez sur le CS du PIC. Même travail. En tout cas, vous dites quoi? Vous dites chaque circuit d'interface que le bon Dieu a créé a un décodeur d'adresse. Sur la carte mère, ça se passe comme ça. Tout simplement. OK. Donc, voilà un deuxième exemple d'un décodeur d'adresse. Et donc, on a terminé donc, cet exercice qui est là, il me semble, le premier exercice. Alors, je ne sais pas maintenant. On a programmé une séance de 2 heures. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on vient de consommer les 2 heures. Voulez-vous que je continue? Je suis à votre service. Voulez qu'on arrête? On arrête. Voulez que juste me poser quelques questions pour l'exode 2 et 3? Posez-moi seulement des questions pour l'exode 2 et 3. Comme vous voulez. Merci, on commence l'exode 2. Donc, ce qu'on va faire, par respect à tous les collègues. Alors, on est 66. Comme ça fait 2 heures que je parle, je prends 10 minutes. Dans les 10 minutes, les habbini khurjou, ils khurjou fait les 10 minutes. Les habbini gaudou, ils gaudou fait les 10 minutes. On fait comme ça? Pas comme ça. Ah, 10 minutes de pause et les midi, on reprend à midi 10. S'il vous plaît, les tkalko, ils khurjou fait les 10 minutes. On va continuer, Inch'Allah. Ok? Ça. On reprend à midi 10. Merci. Bien, on est de retour. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien, ok. Super. Bon, il y a des gens qui demandent d'accéder. Alors, on passe au deuxième exercice. Donc, c'est l'exode 2. Donc, il a été noté sur 6 points. Je rappelle, donc, c'est des exercices d'examen. Alors, Hada, il dit tout simplement écrire un programme dans lequel figure une routine d'interruption NCH qui permet, si elle est déroutée, d'écrire toutes les 10 secondes dans la case mémoire requête, les requêtes demandées qui ne sont pas en service ou les requêtes en service qui ne sont pas demandées dans le PIC esclave. J'ai bien souligné esclave de votre micro-ordinateur. Donc, quand je dis le PIC esclave de votre micro-ordinateur, de votre PC, c'est-à-dire, j'ai bien précisé que les adresses de ce PIC esclave, ça va être A0H et A1H. Parce que nous avons dit sur le PIC, sur vos machines, ce qui est réel, le PIC maître a des adresses 20H et 21H. Et le PIC esclave, le premier PIC esclave, si vous en avez qu'un seul, donc le PIC esclave, il a les adresses A0 et A1H. Donc, voyez-vous, de votre micro-ordinateur qui a comme adresse, là j'ai été gentil en précisant l'adresse, parce que j'aurais pu ne pas la préciser, A1H, le code de déroutement et les installations nécessaires pour le quantum de temps doivent apparaître dans votre programme. Alors, après l'exercice, quand je l'ai donné, parce que j'avais une idée dans la tête. C'était la chose que j'avais en tête. Je voulais que les étudiants m'éprouvent que le TP qu'ils ont fait, c'est eux qui ont fait le TP. Parce que c'est quelque chose qui a été vu en TP, n'est-ce pas? Tout ce qui est
quantum de temps, etc. Ici, le quantum de temps, c'est 10 secondes. 10 secondes. Et alors, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons écrire un programme qui, toutes les 10 secondes, va interroger le pic à travers une routine d'interruption de type requête pour savoir quoi, quelles sont les requêtes qui sont actuellement demandées. Donc, il s'agit d'aller lire le IRR et qui ne sont pas en service. Et dans les bits ISR sont à zéro. Ou les requêtes qui sont en service actuellement, ça veut dire elles sont en train d'être exécutées et qui ne sont pas actuellement demandées. Ça a exécuté et qui ne sont pas demandées en parallèle. Du pic esclave. Alors, le code de déroutement et les initialisations nécessaires pour le quantum de temps doivent tout apparaître dans le programme. Donc, on montre tout dans ce programme. Est-ce qu'il y a des questions pour le lancer? C'est quelque chose que vous avez vécu en TP et que je voulais des comptes sur ça. Enfin, c'est TP relié au contrôleur d'interruption, parce que le traitement qu'on fait dans la routine d'interruption, dans le TP, c'était aller écrire O, la NCH, etc. Ici, non, on voulait autre chose. Monsieur, on a encore vu tout des trucs encore. Ou allez, c'est hors programme, ça? Ah oui, c'est le programme. C'est pas hors programme, c'est le programme lui-même. C'est le programme Bi'inihi. Vous avez le pic. Vous avez l'interruption NCH, vous avez l'écriture d'une routine d'interruption, vous avez le déroutement, vous avez l'installation d'un vecteur. Je crois que c'est le programme lui-même. Mais c'est hors sujet, il me semble. Non, non. D'autant plus que quand je vois, je viens de recevoir les notes de TP, quand je vois que il y a une dizaine de 20 sur 20 dans le TP, chose que moi je ne donne jamais en TP, mais Malish, je ne critique pas. Quand je vois il y a une dizaine de 20 sur 20, donc ça veut dire que je rends service aux gens si je pose des questions pareilles. Ok? Ah, monsieur, donc, l'idée 20 sur 20. مفروض يدعي لي بالخير صباح وعشية بس كيش اللي يدان كيكو شو اسكو هو يلاقي فان شيرفا داكار المهم ديت ما دون سو باراغراف تاع ليكزارسيس اسكو جو سور دي كادر دي كور vous avez le pic, vous avez les interruptions, installation d'interruption, comment lire ISR et IRR, donc tout est dans le programme. OK. Bon, c'est un exercice 6 points. Donc, حتى وما درناش l'exercice à dire, il reste 12 points à obtenir. OK. Mais, OK. Si vous avez fait le TP, si vous avez fait le TP, si vous avez fait le TP, donc, c'est des choses que vous connaissez très bien. Alors, je veux donc faire un traitement qui est la lecture de ISR et IRR. Toutes les 10 secondes. OK? Ça, moi, je sais quoi? Je sais que l'interruption NCH, elle est provoquée 18,2 fois par seconde, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien du tout. Vous vous rappelez, oh, la NCH, que vous venez à même cher. Oh, la NCH. Donc, elle est la NCH, elle vient toutes les 18,2 fois par seconde. Donc, si c'est 18,2 fois par seconde, attendez, il y a des gens qui demandent, et donc ça m'embête parce que je dois changer de page pour aller les accepter. Mais je ne vais plus revenir ici parce que l'autre, il est 18, on ne vient pas à n'importe quel moment. Donc si la NCH elle est provoquée 18,2 fois par seconde, donc, dans 10 secondes, ça veut dire combien d'appels, s'il vous plaît? Dans 10 secondes, on dit 18,2 appels. Ça, c'est ce qu'on connaît de la NCH. 182.
Donc, dans 10 secondes, ça veut dire 182, n'est-ce pas? Appel, c'est 18,2 multiplié par 10. D'où dans le data segment, vous voyez, donc, je déclare un compteur DB et je mets 182. Pourquoi DB? Parce que 182 peut s'écrire sur 8 bits. Voilà. Donc, je vais l'utiliser comme compteur pour savoir à quel moment je vais faire mon traitement. Et on me dit que ce que je vais lire, je dois aller le stocker dans la case mémoire requête. Donc, je déclare requête DB, point d'interrogation, parce que je n'ai pas encore l'information. Donc, ça, c'est le data segment. Ça, c'est la déclaration de la pile, tout simplement. Je déclare une pile de 64 mots. Et voilà le TOS, etc. J'avais déjà expliqué ça. Et là, c'est la routine d'interruption. C'est la routine d'interruption. Que fait cette routine d'interruption? Ah, pardon. Où compte-t-on? Ça, c'est avant? Non, non. Attendez, j'ai sauté, donc je dois marcher arrière. Voilà. Et là, c'est la routine d'interruption qu'on me demande d'écrire. OK? Donc voilà, code segment, parce que c'est une routine d'interruption, elle doit être dans le code segment. Et le reste, je crois qu'il est caché. Je dois voir code segment 1, etc. Je crois qu'il est en bas. Mohamed, c'est la routine d'interruption qu'on me demande d'écrire. Cette routine, le corps de la routine, qu'on me demande d'écrire. Parce qu'écrire dans un programme une routine d'interruption. OK? Donc, je vais l'affecter à la 1CH. Ben, je vais faire le déroutement. Je fais quoi? Je sais que j'ai fait une seconde, elle est 18,2 appels. Et donc, moi, je dois faire le traitement après 182 appels. Alors, à chaque fois qu'on vient ici, toutes les 55 millisecondes. Donc, je commence par quoi? Décrémenter le compteur et attendre jusqu'à ce que le compteur soit nul. Quand le compteur est nul, ça veut dire 10 secondes viennent de s'écouler. Donc, je décrémente le compteur. Si le compteur n'est pas égal à zéro, je sors de la routine d'interruption. OK? C'est ce que vous avez fait en TP. Maintenant, si je viens ici, si je viens là, à partir de là, maintenant, ça, c'est le traitement que je fais toutes les 10 secondes. Parce que si le compteur n'a pas atteint la valeur 0, qui était initialisée à 52, ça veut dire qu'il a rajouté 10 secondes. Qu'il a rajouté 10 secondes, ça va être là. Alors, on me demande de faire quoi? Toutes les 10 secondes, on me demande d'aller écrire dans une case mémoire qu'on a appelée requête. Quoi? Les requêtes demandées qui ne sont pas en service. Ça veut dire, dans les bits IRRI sont à 1 et ISRI égale à 0. Ou les requêtes en service, ça veut dire dans les bits ISRI égale à 1 et IRRI est égal à 0. OK? JPK esclave. Donc, je fais quoi? Fire. Move AL0AH. Out 0A. 0H à N. Qu'est-ce que j'ai fait ici? OCW3. Ça, c'est le OCW3. Excellent. Parce que je suppose que je suis déjà en mode fonctionnement. Parce que je parle de routine d'interruption. Donc, c'est le OCW3. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de mettre le RR à 1 et le IRR, RIR à 0. Ça veut dire que je suis en train de lire. Ça, c'est l'intention, si vous vous rappelez, lecture IRR. Allez au CW3, vous allez trouver ça. Donc, c'est l'intention. Ce n'est pas la lecture de IRR, c'est l'intention de la lecture de IRR. Ça veut dire, comme si je dis au pic, il agit le karak atteint le IRR. Et si je fais la lecture de IRR, ça c'est la lecture de IRR. La différence entre
l'intention et la lecture. L'intention, on a battu le pic pour identifier le atteindre le IRL. Et là, je fais l'action de lecture, donc il va me donner dans AL quoi? Le IRL. Et le IRL veut dire quoi? Là où il y a des 1, ça veut dire c'est des demandeurs de services. Le IRL. Oui, ça veut dire c'est des demandeurs de services. OK, alors attendez le IRL, ça veut dire il m'a donné ça, les requêtes qui sont demandées. Retrabite dans PL, pourquoi? Parce que ça sera AL pour autre chose également. Maintenant, je vais lui envoyer ici quoi? L'intention, lecture, cette fois-ci, ISR. Aussi maintenant, il va atteindre le ISR, ça veut dire celles qui sont en service. OK? Et là, regardez, c'est quoi ça? Est-ce que je peux retirer ça un peu? Je mets un peu d'ordre. C'est mieux. Pour l'instant, ça, c'est mieux. Alors, ici, c'est quoi maintenant? Regardez, c'est quoi? Ça, c'est la lecture ISR. C'est-à-dire là où il y a des 1 maintenant, dans AL, ça veut dire quoi? Ce sont ceux qui sont en service. Alors, ici, les requêtes demandées qui ne sont pas en service. OK, donc là, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Est-ce que quelqu'un voit où est le problème? Je veux écrire, non, je suis convaincu qu'il y a ceux qui voient ça. Ce que je vais écrire dans une case de mémoire les requêtes demandées qui ne sont pas en service. Qui ne sont pas en service. Si je laisse la chose comme ça, dans AL, qu'est-ce qu'il y a? Là où il y a des 1, je viens de lire le ISR, là où il y a des 1, ça veut dire quoi? Ils sont en service. Alors que moi, j'ai besoin de quoi? De ceux qui ne sont pas en service. Voilà. Monsieur, ça va le coup. OK. D'accord. Moi, j'ai oublié le où. C'est bon. C'est correct. J'ai oublié la phrase. Alors maintenant, je fais XOR ALBL. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans AL? Dans AL, il y a ceux qui sont en service. C'est le ISR que j'ai mis dans AL. Et dans BL, qu'est-ce qu'il y a dans BL? Dans BL, il y a ceux qui sont demandés. Et d'un dirigeant XOR binatement, ou exclusif binatement, quand est-ce que je vais avoir un 1? Je vais avoir un 1 si j'ai la combinaison 0-1, ça veut dire non demandeur en service, ou bien 1-0, ça veut dire demandeur non en service. OK? Et donc, ça me résout tout ce problème qui est là. Donc, je fais un XOR, et dans le résultat qui est dans AN, là où il y a des 1, c'est soit des demandeurs qui ne sont pas en service, ou bien des non-demandeurs qui sont en service. OK? 0-1, ou bien 1-0, c'est le seul cas où ça me donne donc un 1 avec le OU exclusif que je vais stocker dans requête. Donc j'ai le résultat après 10 secondes. Si je veux revenir de nouveau 10 secondes après, donc je dois recharger le compteur parce que le compteur a été mis à 0 ici. Donc 182 de nouveau et donc ça va continuer à être. Est-ce qu'il y a des questions pour la routine d'interruption, s'il vous plaît? Pour la routine. Monsieur. Oui. Si on a le bit, un bit, par exemple, PE de IRR qui est mis à 1, et le même bit dans ISR est mis à 1. Oui. Donc, vous allez avoir 0 dans requête. Dans le bit BI qui est à requête, vous allez avoir un 0. Parce que le OU exclusif,
Si les deux entrées sont à 1, ça donne un 0. Et donc, là où dans requête, il y a des 1, ça veut dire soit je suis devant demandeur en service qui n'est pas en service, ou bien non demandeur de service qui est en service. OK? Donc, oui, vous avez un 0 dans 0, dans le bit BI. D'autres questions sur la routine d'interruption? OK. C'est clair, donc c'est terminé. Il faut maintenant juste dérouter la routine. Je vais finir sur ma routine d'interruption. Donc, monsieur, pour routine déroutement, est-ce que je me donne push DS ou pop DS? Bah, vous pouvez le rajouter. Moi, j'ai fait l'essentiel. J'ai fait l'essentiel. L'essentiel. Voilà. OK, j'ai fait l'essentiel. Donc, alors, dérouter, donc c'est, vous savez que c'est la fonction 25H, de l'interruption 21H. Elle demande à mettre dans DS l'adresse segment de la routine d'interruption. C'est ce qu'on a fait avec ça. Donc, avec ça, dans DS, j'ai l'adresse segment de la routine d'interruption. Et dans DX, vous devez mettre l'offset de la routine d'interruption. On l'avait fait avec ça. Ça a été fait dans les TP, donc vous devez être très à l'aise avec ça. Et j'appelle l'interruption 21H avec la fonction 25H en précisant que c'est le vecteur 1CH que je veux dérouter. Et ça va être dérouté. Et à partir de là, quand j'appelle la procédure, le vecteur d'interruption 1CH va avoir l'adresse de la routine d'interruption. Voilà le programme principal maintenant qui fait appel à tout cela. Donc, ça, c'est la chanson que vous connaissez, qu'on fait toujours, regardez. Bon, on fait toujours dans un programme ça. En bas, vous voyez, j'appelle le déroutement d'abord. Le déroutement étant fait, ça veut dire que le vecteur d'interruption est installé avec la nouvelle routine d'interruption. Et je fais maintenant un branchement continu comme ça. C'est juste pour attendre toutes les secondes la provocation de cette routine d'interruption. Et ceci est terminé. Il y a une question B qui dit à quel moment, alors ça c'est une question un peu bizarre dans l'exercice là, à quel moment ce pic esclave sait qu'il est esclave? Selon vous. وقت هذا اللي فيك اسكلاف يعرف روحه انه ستان اسكلاف شوف الاي سي دبليو في 4 سي دون اي سي دبليو في 4 سي دون اي سي دبليو في 4 سي دون باف اي ام سلاش اس كي لو سورا نسبا سي سا كونسيرن لي بيت باف اي ام سلاش اس سي اس مومون لا كي سي كي لي اسكلاف دون اي سي دبليو في 4 دونك سي بيان دي دون اي سي دبليو في 4 سا دونك سي ليكزارسيس 2 Il reste un dernier exercice. On va le faire rapidement. Donc, je vais partir. Alors, l'exercice 3, qui est sur 6 points également, concerne également les interruptions. Donc, on est toujours dans les interruptions. Alors, soit la séquence d'instruction suivante. Peut-être souffler, rouler. Donc, alors. Soit la séquence d'instruction suivante, donc je donne une séquence. Donc, monsieur, un âme, oui. Monsieur, une question. L'exercice est fait, monsieur. Monsieur, il nous a demandé le pic à les c'est un esclave. Oui. Oui. Ah, peut-être qu'il ici de le V4. Le can, il reçoit 5 volts sur un aspect. Oui, mais. Il doit attendre ici de V4. Comment il sait que sa ligne SPNL est en entrée sur laquelle il reçoit plus 5 volts? À quel moment il le sait? Il le sait quand il va aller sur BAF, il trouve 0 dans ICW4. Avant ça, il ne le sait pas. Monsieur, j'ai oublié, mais est-ce que qui recevait encore un aspect qui a appelé Matro l'esclave? Oui. كما يكونش يعرف بالاسكلاف هي داكور هذه صحيحه واش راك تقول مي كومبليت باسكو سي سو ان تران دو دير وقتها يعرف كو اس بي ان اون انتري لازم دابور يعرف كو اس بي ان اون انتري من بعد يبان اناليزي كاسكي روسوا دون سيت انتري لا
Il ne connaît ESP1 et en entrée que lorsqu'il va aller à ICWB4 où il a BOF égal à 0. Quand il trouve BOF égal à 0, il détient ESP1 et en entrée. Et à ce moment-là, quand il voit qu'il reçoit 0 sur cette ligne-là, il dit c'est un esclave. Okay? Mais avant le ICWB4, il ne sait pas comment la ligne ESP1 est utilisée. Est-ce qu'elle est en entrée ou bien en sortie? Voilà. Ok, je reviens à l'exercice 3. Donc, soit la séquence d'instruction suivante. On termine, s'il vous plaît. On termine. Hein. Et donc, voilà la séquence que vous devez analyser. Elle commence à cette adresse-là. Donc, il est clair ce que je fais ici. Donc, je fais un rappel rapide. Ces deux instructions, on fait quoi? On est en train juste d'initialiser où se trouve le stack segment, n'est-ce pas? Et le stack segment, maintenant, on sait que c'est. Il se trouve à l'adresse physique SS x 16, donc ça va faire 60 000. Là, j'initialise le sommet de la pile. Voilà, là, attendez. Donc, le sommet de la pile, il est à quoi? À l'adresse 0FD0H. Ça veut dire que si vous faites un push, l'adresse va être décrémentée, vous allez écrire. D'ailleurs, il y a push SP. Dites-moi qu'est-ce qui va se passer après l'instruction, s'il vous plaît. Dites-le-moi avec précision. Quand push SP est exécuté. Monsieur, la valeur de SP va être l'adresse. Non, non. D'abord, il va y avoir décrémentation de SP de moins 2. Ah, monsieur, décrémenter قبل قبل entre. Hadi la chanson, on a un push, c'est une décrémentation de moins 2 d'abord, suivi de l'écriture. D'accord. Et un pop, c'est une lecture d'abord, suivi de l'incrémentation. Donc, ça veut dire que le SP va être d'abord décrémenté de moins 2. Donc, là où il va écrire à l'adresse 0F. Continuez, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il va écrire le SP? 0F. CE. CE, oui, à l'adresse 0CF, CE, 0FCE, c'est là où il va écrire le SP. OK? Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? POP F. Alors, quelle est la conséquence de cette instruction? Monsieur, le sommet de la pile, il compte le lower byte à les flags. Alors, push SP, OK, exact. Et le problème, c'est des instructions que j'ai faites comme ça. Donc, alors, on va supposer également que le contenu d'une partie de la mémoire centrale est heavy. Une partie de la mémoire centrale est heavy. Okay? Là, je suis à l'adresse 0000000 partout. Et la suite. Donc, alors, A, donné juste à l'entrée de la routine d'interruption de la routine IRQ4, le PSW, le CS, le IP, le SS et le SP, et le contenu de la pile. Donné juste à l'entrée de la routine d'interruption de IRQ4, on suppose qu'il y a une routine IRQ4, le PSW, le CS, le IP, le SS et le SP. Alors, on sait quoi? On sait que à l'entrée de la routine d'interruption, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le même PSW, sauf avec FTF égale à 0. Okay. Et donc, le PSW, ici, le PF, vous l'avez juste avant, juste à l'entrée. Donc, juste à l'entrée de la routine de PSW, c'est juste à l'entrée. Okay. Donc, le PSW, la question A, ça va être quoi, le PSW? Alors, push SP. Préhabark, push SP. Et pop F. Le PSW, il y a 0FD0, c'est ça? F. وعلاش انا كتبت 0 سي دي 0 علاش باسكو باسكو فودغا ميتر اي اف تي اف 0 ابري
ما يوغان شونجو. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. فوالا لو اف، لو اف كي تحكم لو اف دير دير تي اف اي اف ا زيرو اي دونك سا سا فا ديفانير ان سي تو سامبلومون سي بون. باسكو كون جي رونتر دون لا روتين دو انتربسيون اي اف تي اف فون اتر مي ا زيرو. جي كونتيني سيل فو بلي باسكو بديت نعيا. دونك لو سي اس، le CS ça veut dire c'est le CS à l'entrée de la routine d'interruption, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pouvez me justifier la réponse que j'ai donnée ici? Donc, quand je dis CS, c'est bien dit à l'entrée de la routine d'interruption. Ça veut dire que c'est le CS de la routine d'interruption de ta IRQ4. Parce que quand j'étais dans le programme ici, voilà, le CS c'était à 4000, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour ça, je vais le quitter. Je vais le quitter ici. Ici, donc, je vais aller à IRQ4. Pourquoi CCS égale 0391H? J'attends votre contribution, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai écrit 0391H? Vous ne voyez pas? Monsieur, interruption. Tu veux dire, c'est fois 4, c'est maintenant sur le vecteur, c'est qu'on a mis le CS ou l'EP. Ok, ok. Ça veut dire, il est clair que ce que j'ai donné ici, le contenu d'une partie de la mémoire, en analysant les adresses que j'ai données de la mémoire, il est clair que ça, c'est une partie de la table des vecteurs des interruptions, n'est-ce pas? Parce que, voyez, chauffe les adresses. Et nous avons dit que la première partie de la mémoire centrale, c'est la table des vecteurs des interruptions. Et là, je suis au départ de la mémoire centrale. OK. Donc, alors, ça, c'est quoi, Hada? Ça, c'est quoi? Les EPC, c'est les vecteurs zéro. C'est le vecteur zéro. Très bien. Donc, ça, c'est le vecteur zéro. Ici, je suis sur le vecteur 1, vecteur 2, vecteur 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est le vecteur 8, n'est-ce pas? Ça, c'est le vecteur 8. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Okay. Oui. Si c'est 8. Donc le 8 correspond à IRQ0, n'est-ce pas? Oui. Le 8 correspond à IRQ0. Nous allons prendre IRQ4. Parce qu'on a supposé que c'est la routine IRQ4 qui est provoquée. Donc ça, c'est IRQ0. Hadi, là, c'est Hadi. Ici, c'est IRQ1. Ici, c'est IRQ2. Ça, Hadam, c'est Hadi, Agda. C'est IRQ4, IRQ3. Et par conséquent, voilà le vecteur de IRQ4. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, monsieur. Oui. OK. Donc, si ça, c'est IRQ4, ça veut dire que le CS de la routine, où est-ce là? 0391, il faut faire une lecture inversée. 0391, c'est le CS de la routine. Donc, voilà, 0391. Et le IP de la routine, où est quoi? C'est 006E. Voilà, 006E. Monsieur, j'ai une question. Oui, bien sûr. La requête IRQ0, d'aimerais-je être la huitième interruption? Ah oui, parce que vous connaissez la structure de la table des vecteurs des interruptions. La IRQ0, c'est celle du timer, c'est toujours le numéro 8. D'accord. Donc, si vous comptez ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a heavy. C'est bon. Merci, monsieur. C'est moi, ça. OK, donc, Halina est à IPCS. Qu'est-ce que le SS? Le SS n'a pas changé, voilà, 6000. Et le SP, vous vous rappelez, quand on est ici, donc, c'est-à-dire, le SP était à 0 FD0, et le processeur va faire quoi? Avant d'aller à la routine d'interruption, il va sauvegarder le PSW, le CS et le IP du programme principal. Donc, alors, prenez le 0 FD0. Il va sauvegarder le PSW, donc SP-2, donc ça deviendra
comme on dit, votre collecte 3, 0, F, CE. On va dire, il va sauvegarder le CS du programme principal. Encore moins 2. Donc, ça sera 0, F, C, C. Ensuite, il va sauvegarder le IP du programme principal. Moins 2 sur le SP2. Encore. Et donc, ça deviendra 0, F, combien? 0, F, CA. Et si je viens ici, voilà, 0FCA. Donc ça, c'est le SP après avoir empilé le PSW, monsieur. Le CS et le IP du programme principal. Monsieur, mais après le push SP, Drna Pop-F, a des master channel SP qui m'a quand On a dit d'autres choses, donc le SP, écoute, et ça se passe à la transition. À la transition. SP, chacun. Push SP. Monsieur, le SP quand 0, FD 0, oui. Drna le push et décrémente de 2. Hey. Hey. Le pop et out. Attends. Après le push SP, j'ai le pop F, donc il a corrigé le SP. Audardo de sa valeur initiale. Si le SP, le push, a décrémenté le SP de moins 2, le pop a rajouté plus 2 SP. Donc, moins 2 plus 2, donc je reviens à la position initiale. Ok? Oui, voilà, monsieur. Maintenant, on va stocker le CS et le IP. Ça fait moins 4. Non. On a stocké le PSW, le CS et le IP. C'est-à-dire que le PSW, le CS et le IP. Donc, si vous partez de cette adresse-là et vous faites le push PSW que fait le processeur, donc vous êtes à CE. Si vous faites le push maintenant de CS du programme principal, vous êtes à CC, 0FCC. Si vous faites le push de IP du programme principal, vous êtes à 0FCA. C'est ce qu'on a fait ici. Monsieur, quand est-ce que sera le push de PSW? Tu m'as dit que j'ai une interruption pour le même PSW. Où est le push de PSW? C'est IRET qui va le faire. C'est le IRET du programme principal. Mais on n'est pas encore là. Parce qu'on est à l'entrée de la routine d'interruption. Parce que la question concerne juste à l'entrée de la routine d'interruption. Donc il n'y a eu que des pushes. Il n'y a pas eu de pop. Et nous sommes partis de cette adresse-là. De cette adresse-là, aller empiler PSW, CS et IP, ça veut dire c'est ça moins 6. C'est ça moins 6. Et ça va vous donner 0FCA. D'accord, monsieur. Ok, ça. D'accord, alors. Citer les instructions qui figurent certainement dans la routine d'interruption de la IRQ4. Voilà une question auquel il faudrait réfléchir. Donc, Koulouah Benayit Khayil, que cette. Requête qui est venue ici a provoqué, donc, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué le passage à la routine d'interruption IRQ4. Okay? Et donc, le début de l'exécution de la routine IRQ4 que je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné le corps de la IRQ4. Okay? Il est sûr qu'il va aller à la routine d'interruption IRQ4. Question. La routine IRQ4, c'est un code, n'est-ce pas? Il va faire quelque chose, un traitement. D'ailleurs, je n'ai même pas décrit le code. Qu'est-ce qu'il fait comme traitement? Mais si je vous pose la question, dites-moi quelles sont les instructions. Certainement, il connaît Kaylin fait la routine d'interruption. C'est-à-dire, même il connaît le traitement. Si vous regardez des grands contextes. Pas forcément. Interruption. Ça dépend de l'utilisateur. Ça dépend de l'interface interne de l'utilisateur. Mais on a des choses certainement iconaux. Il y a un même icône de l'hal, l'asme iconaux. IRET. IRET. Toute routine d'interruption doit se terminer par IRET. C'est une instruction. Zidou. Est-ce qu'il y a. Monsieur, il faut faire une interruption. Parce que trop cher, on a un mode normal. Exact. Exact. Mais à la OCW, d'un des roues à fin d'interruption. Ça veut dire, avant de sortir de la routine IRQ4, qui est de type requête,
il faut penser à remettre à zéro le bit ISR4. Sinon, vous allez bloquer cette routine d'interruption, n'est-ce pas? Parce qu'on travaille toujours avec temps d'interruption normal. Et ça veut dire, tant qu'il y a l'exécution de la routine IRQ4, ISR4 est égal à 1. OK? Il faudrait le remettre à zéro avant IRET. Donc, ce qu'on fait, ce qui est fait sur votre système d'exploitation, on fait une fin d'interruption non spécifique. C'est-à-dire, on le verra que remet le bit ISR4 à zéro. Donc, en plus de IRET, où est la question? Où est la question? IRET, IRET. Et ça, ça va être pour la fin d'interruption non spécifique. Alors, vous savez, on a dit le picmètre. Le picmètre, donc les adresses, c'est 20H et 21H. Et quand je suis sur OCW2, donc l'adresse, c'est 20H. Donc, c'est pour dire OCW2. C'est ici pour dire OCW2. C'est dans OCW2 qu'on remet le bit ISRI à 0. Et là, c'est qu'est-ce que j'envoie dans le OCW2, n'est-ce pas? Allons l'écrire, si vous voulez. Voilà, en binaire 20H. Donc, c'est une coïncidence qu'il y a 20H et 20H hein, ici. Voilà ce qu'on écrit dans le OCW2. Donc, lisez avec moi, s'il vous plaît. Si cette valeur est destinée au OCW2, ça veut dire R, c'est R, n'est-ce pas? Égal à 0, ça veut dire que je ne change pas l'ordre de priorité. Ça, c'est SL. Ça veut dire L2, L1, L0 qui sont là ne sont pas traités par le PIC. Par contre, je fais une fin d'interruption normale. Voilà, une fin d'interruption. EOI est égal à 1. Ça veut dire que je veux remettre un bit ISRI à 0. Lequel? Comme j'ai dit, d'une manière non spécifique, ça va aller être à la routine IRQ4, qui va être remis à 0. Donc, ces deux instructions qu'on trouve toujours dans les routines de type requête. Toutes les routines de type requête, on trouve ces deux instructions avant IRET. Ça va permettre de remettre le bit ISRI d'une manière non spécifique à 0. Donc, on est sûr que tu as une routine d'interruption de type requête, on trouve voilà, toujours ces trois instructions, même avec le traitement. C'est bon? Oui. OK, parfait. S'il vous plaît, donc on va essayer de terminer parce qu'Aïd, là, Aïd. Alors, c'est selon le contenu de la mémoire, donné ci-dessus, Hadi. Donner l'adresse physique CS et IP de la première instruction de la routine d'interruption du clavier de votre PC. Ça, c'est pratique. Vecteur 9. Vecteur 9. Où est le vecteur 9? Je suis dans la troisième ligne. Troisième ligne, donc la deuxième partie. Ça veut dire là. 5KD, 6EC. Ça commence là, là, difficile de manipuler. Je reviens marche arrière. Oui, délai. Donc, là, hada. Inch'Allah, ça va marcher. Voilà le vecteur 9. Ça, c'est le vecteur du clavier, n'est-ce pas? Ça, c'est le vecteur 9. Abdou, c'est mon modulo 4. Vecteur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà le vecteur 9. Donc, la routine d'interruption qui gère le clavier sur votre machine, on a tout ça. Vous voyez, donc, c'est pratique. Alors, malheureusement, la sélection. Le IP de la routine d'interruption du clavier, c'est combien? Akraouhali, s'il vous plaît. Akraouhali. 06EC. 05. Le IP, j'ai dit le IP. 06EC. 06IP. Par ça, c'est le IP. IP 9. 06EC. Et le CS? 05KD. C'est ce que vous voyez ici. Donc, on est sûr que ça, c'est l'adresse de la première instruction de la routine d'interruption qui gère le clavier. Okay? Donc, conforme à ce que nous avons fait dans le cours.
On arrive à la dernière. Monsieur, excusez-moi, le clavier c'est numéro 9, c'est ça? Numéro 9, oui. Ok, d'accord. On va être un peu raisonnable. On va essayer d'être un peu raisonnable. La table des vecteurs des interruptions, la table des vecteurs des interruptions, qui a 256 vecteurs, n'est-ce pas? Vous avez les cinq premiers vecteurs qui sont réservés par Intel. Ce n'est pas difficile. Et le vecteur 0, c'est celui des erreurs de division par 0. Le vecteur 1, c'est celui de l'exécution pas à pas, etc. Arrivé jusqu'au vecteur 4, il y a l'overflow. Vous avez fait un TP sur ça. Vous êtes tel comme trois vecteurs qui ne sont pas réservés par Intel, mais qui sont réservés par le système d'exploitation. Oui, non. Peut-être comme tu as print screen, vecteur 5. Peut-être comme tu as le timer, vecteur 8. Ou peut-être comme tu as le clavier, vecteur 9. Yikf. Donc, c'est pas. Je ne demande pas à boire le mat à la barre, n'est-ce pas? Donc, c'est des petites choses. En plus, c'est des choses que vous devez retenir en tête parce que ça fait partie de votre formation. Tout cela, c'est pratique, c'est système. OK? Vous demandez pourquoi Mme Doucha a fait un chapitre, un semestre complet ma'akoum, parce que pour la simple raison, c'est une docteure d'État, elle a beaucoup enseigné le système d'exploitation et elle a senti le besoin d'avoir ça pour mieux comprendre son système d'exploitation. Donc, écoutez, quelques petites informations comme ça ne doivent pas vous encombrer parce que, voyez, ce n'est pas théorique, c'est pratique, c'est à votre machine. Parfait. Donc, là, sur les questions, il y a plus de questions. On arrive à la dernière question. La question D, s'il vous plaît, la dernière. Quel est en hexadécimal le numéro de la requête envoyée par le pic mètre en microprocesseur quand cette requête IRQ4 est acceptée? En incrément depuis le IRQ0, c'est 8 et en incrément jusqu'à IRQ4. Et ça va faire 0, c'est 12, ça fait c'est moi, 12. Soit goul 12, soit goul 0, CH. Mais on ne dit pas 12H, hein? 0CH. Pourquoi? Bien sûr. Parce que vous prenez vos doigts et vous allez dire IRQ0, c'est la 8. IRQ1, c'est la 9. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à IRQ4 par l'incrémentation de 1. Et vous allez trouver que la IRQ4, c'est la 0CH. OK? C'est bon? Voilà. Donc, pratiquement, on a fait 3 heures de révision. Alhamdoulilah, donc bitoufiq alaykoum inchallah, inchallah tenchou koul. Merci monsieur. Concernant la question dans le contenu de l'appel. Kifa arfna monsieur le IP تاع l'instruction move bx ax. Monsieur باش نعرفوها لازم نعرفوا لي طاي دو كوموند الاخرين لا اللي قبلها. والله ما فهمت لا كيسيون تاعك. تقدر تعاودها لي شويه. Contenu de l'appel. Contenu de l'appel. La dernière, il y a le EP تاع l'instruction MOV BX AX. Qui va عرفناها, monsieur? Là, le EP que j'ai demandé ici, ce n'est pas تاع le BX. Non, monsieur, c'est le EP تاع la routine d'interruption. J'ai dit à l'entrée de la routine d'interruption. Non, monsieur, c'est la question, il a dit et le contenu de l'appel. Ah, et le contenu, ok, le contenu de l'appel. Ah, on n'a pas traité ça. Le contenu de l'appel. Wadha. Wadha. Si vous voulez, on le fait en une seconde. Non, monsieur, ma question, c'est le IP de la commande MoveBXAX qui fait arriver. Ah, ok. Ça. D'accord, Fahamak. Soit que vous allez par incrémentation. Vous avez fait du code machine et vous avez quand même quelques idées qu'une instruction pareille, elle fait 3 octets, etc. Hadi, elle fait 2 octets. Hadi, elle fait 2 octets. Hadi, elle fait un seul octet. Hadi, elle fait un seul octet. Écoute, il a seul ta classe. Anna, li a ta hamne. Alors, hij. Ou li ma ta hamnish.
على الأقل يكتب لي IP retour CS retour. أوكي؟ هذا ما عرفتمش خلاص. مي أنا في أسي دو كور سور الكود ماشين. ودونك هذه ان برينسيب تو موند سي كان في تروز اختي هذه تروز هذه دوز اختي هذه تروز اختي هذه ان اختي هذه ان اختي وانا لهنا متنا اذا ما عرفتش اكتب لي على الاقل دون لابيل ايبي ريتور ايبي ريتور بور ما دير كو تو روفيان ايسي راح تعطيني لو بي اس دبليو لو بي اس دبليو اكتب ديه منا راح تعطيني لو سي اس راح لو سي اس هو يعيط فوالا سي 4000 لا سيل ديفيكولتي ايسي سي لو اي بي ريتور يا اما تعرفوا يا اما اكتب لي اي بي ريتور اقل ايمان بور ما دير راني على بالي مي سي جوست بوينت في كود ماشين جي ما رابيل با دو لا تاي دي انستركسيون هذا ما كان سي بون monsieur oui 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 monsieur une petite question. La IRQ4 représente quelle requête de quel périphérique J'ai c'est la communication série. Ce qu'on appelle le COM1 et le COM2. La communication série. Si ma mémoire est bonne. Hein? شوف parfois مانيش متعلقين exactement la chose mais je connais les techniques je connais comment ça se passe comment ça fonctionne ça c'est le plus important mais je crois que c'était soit le COM1 soit le COM2 ce qu'on appelle communication série d'autres questions ok parfait donc okay, merci il est partagé c'est pour si je fais une séance de révision de troisième parce que je veux vous apprendre et également je vous trouve très attentif et donc ça m'encourage plus. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous enseigner et d'ailleurs vous allez être les derniers de vous voir et merci beaucoup pour la patience tech. Merci beaucoup. Ah, merci, monsieur. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci. Salam, 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 salam,